Bonjour à tous. Nous sommes le 26 septembre et aujourd'hui, la conférence sur notre cycle de justice consacrée à la justice, les justiciables et le public va porter sur une partie importante de notre histoire de la justice avec l'entrée des témoins et des victimes sur la scène judiciaire. Alors, nous avons deux intervenants qui ont travaillé depuis de longues années sur ces sujets-là. Et je pense que plutôt que de les présenter, je pense qu'ils vont se présenter eux-mêmes et vous expliquer un petit peu comment ils en sont arrivés à ce travail-là. Et je reprendrai la parole après leurs interventions. Monsieur Jean-Paul Jean, peut-être ? Alors, je précise quand même que Jean-Paul Jean a été président de chambre à la Cour de cassation, donc il connaît très bien ses locaux. Il est vice-président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Il est secrétaire général de la JUCAF et on a travaillé ensemble dans un certain nombre d'ouvrages, notamment Justice et esclavage, qui était l'avant-dernière production de l'Association française pour l'histoire de la justice. Mais surtout, il a consacré un temps important à l'ouvrage phare avec Jean-Pierre Royer sur l'histoire de la justice en France, ainsi qu'un ouvrage particulièrement remarquable sur Juger Vichy et être... c'était quoi le titre, Jean-Paul ? Juger sous Vichy, Juger Vichy. Et Madame Annette Vieverka vous sera présentée par Jean-Paul Jean. Voilà. Très bien, merci Sylvie. Je montre le titre de l'ouvrage de l'association sur lequel nous n'avons pas de droit d'auteur, comme ça, voilà, je n'ai pas de droit d'auteur. C'est un ouvrage de l'association, je le précise, Juger sous Vichy, Juger Vichy, avec une préface extrêmement intéressante de Robert Badinter. Alors, l'intitulé de cette conférence est « L'entrée des témoins et des victimes sur la scène judiciaire » et nous avons invité Sylvie Vieverka, Annette Vieverka, pardonnez-moi, Annette Vieverka, oui, je sais, vous êtes une famille très très riche d'intellectuels, Annette Vieverka, et je dois dire que c'est après la lecture de son ouvrage « L'ère du témoin » qui est paru en 1998, juste après le procès Papon. Je le recommande absolument à tous les étudiants. C'est une réédition 2012. Et puisque je parle d'Annette Vieverka, je fais de la publicité en même temps pour vos ouvrages. Le dernier, qui est beaucoup plus personnel, à la fois très personnel et très documenté, je dois dire, comme toujours, comme l'ère du témoin, et qui fait le lien de façon très sensible entre la génération qui est encore connue des parents victimes ou qui sont les derniers survivants de la Shoah, en confrontant ses souvenirs personnels et un travail sur archives. Et je dois dire que c'est absolument passionnant. Je le dis aussi de façon très vivante, j'ai écouté l'entretien d'Annette Vieverka avec Laura Adler à France Inter le soir. Réécoutez-le sur YouTube, sur le podcast de France Inter, là encore, pour une chaîne publique. Peut-être vous voulez dire un mot sur... vous m'avez demandé sur pourquoi vous avez écrit cet ouvrage, et puis ensuite j'interviendrai et je présenterai l'ère du témoin. Et le dernier sur Nuremberg, oui. Voilà. Je vous le présente, la réédition aussi, comme ça c'est à l'écran, le procès de Nuremberg. La première édition est de 2012, c'est ça, je crois, 2009. La première édition est de 1995. Ah, j'ai celle de 2009. On fait en 1995, pour le 50e anniversaire du procès de Nuremberg, j'étais à l'époque en poste à Caen, qui travaillait en relation avec le mémorial de Caen, et nous avons organisé le premier, à ce jour seul, grand colloque d'historiens sur les procès de Nuremberg et de Tokyo. D'historiens, hein, s'entend. Voilà. Que d'historiens, enfin pas que d'historiens. Et à cette occasion-là, les éditions Ouest France m'avaient commandé un procès de Nuremberg. C'est donc un ouvrage que j'ai fait à partir des minutes du procès que vous avez maintenant sur Internet en intégrale. Ce n'est pas le cas à l'époque. Et des très nombreux témoignages de divers acteurs du procès. Très peu de travail vraiment d'archives. Et il a été ensuite constamment réédité à l'identique parce que je ne voyais pas de raison de changer quelque chose. Mais sur la question de l'ère du témoin
et de l'avènement du témoin lors du procès Eichmann, l'idée m'est venue lors d'un colloque qui avait été organisé au début des années 90 à Potsdam, qui était un colloque sur deux polémiques, la polémique sans fin du Eichmann à Jérusalem d'Anna Arendt, qui continue, et une polémique autour d'un livre d'un historien américain qui s'appelait Goldhagen, qui s'appelait Les bourreaux volontaires d'Hitler, et qui, en montant des témoignages à la suite les uns des autres, montrait qu'en fait, c'est l'antisémitisme qui avait été le seul et unique moteur qui pouvait expliquer le génocide, ce qui bien évidemment n'est pas la position de 99% des historiens. Et brusquement, il m'est apparu que le procès Eichmann et l'ouvrage de Goldhagen avaient des points communs. Et c'est là que j'ai fait le texte qui est au milieu de l'ère du témoin. Puisque vous évoquez ces ouvrages, je vais continuer la confrontation entre historien et juge avec Denis Salas, qui n'a pas pu être là ce soir. Je rappelle cet ouvrage, Barbie, Touvier, Papon, qui est la première confrontation entre magistrat et historien. Là encore, Robert Badinter a fait la préface avec Henri Rousseau et des acteurs de justice. Donc, il y avait des avocats et des magistrats qui avaient participé au procès Papon, Barbie et Touvier. Et puisque vous venez de parler, mais je n'avais pas prévu d'en parler, mais du procès de Nuremberg et des colloques entre historiens, je rappelle que dans cette même salle de la Grande Chambre, en 2016, nous avons fait un grand débat. Cette Grande Chambre était absolument pleine sur les 70 ans après Nuremberg, avec là encore tous les magistrats et les universitaires qui travaillent sur les juridictions pénales internationales, puisque nous allons en parler sans doute à la fin de ces débats, les victimes en Ukraine de l'impérialisme de Poutine en savent quelque chose. Et je voudrais rappeler dans cette salle, j'avais dit une chose pour la première fois, je crois, sur laquelle j'ai écrit, que dans cette même salle, lors du procès, quand on avait ouvert ce colloque, que 52 magistrats avaient été exclus le 17 décembre 1940 sur la base de la loi du 3 octobre 1940 simplement parce qu'ils étaient juifs. Parmi ces magistrats, vous avez Léon Lioncamp, qui était un conseiller à la Cour de cassation, qui reviendra et qui deviendra le président du MRAP et qui écrira la loi sur les discriminations en 1972. Et vous aviez Robert Falco, qui était à la Cour d'appel. Robert Falco, qui, par un paradoxe de l'histoire, va être celui, parce qu'il parle anglais, qui va signer les accords de Londres, créant le tribunal militaire de Nuremberg, et qui va être le juge suppléant au procès de Nuremberg. Et je ne sais pas, puisqu'il le révèle dans l'ouvrage que vous connaissez, ses souvenirs de Robert Falco, il va révéler au président du tribunal, lors d'une rencontre, qu'il avait été exclu selon les lois de son pays et qu'il n'avait pas pu être magistrat pendant 4 ans. Et je ne sais pas si Göring et les autres nazis savaient qu'un magistrat juif était dans ceux qui les jugeaient. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que les 52 magistrats qui ont été exclus l'ont été suite à une circulaire d'Alibert, le garde des Sceaux, et que les chefs de cour de l'époque ont transmis la liste des magistrats juifs de leur ressort ou des greffiers qui ont été... Et que dans le même temps, ça a été la même chose au Conseil d'État, qui a débouté Robert Falco et Léon Lioncamp de leur recours, hein, même pas motivée. Et en même temps où, à la Cour de cassation et dans les juridictions, on excluait les magistrats juifs, le 19 novembre 1940, le premier président de la Cour de cassation de Belgique, M. Gesch, et le bâtonnier de l'Ordre des avocats barreaux de Bruxelles, M. Braffort, adressaient une protestation publique au général von Falkenhausen, commandant en chef de l'administration allemande, en disant « Les ordonnances du 28 octobre 1940 concernant le statut des Juifs en Belgique ont profondément ému le monde judiciaire. Les ordonnances sont l'application en Belgique de mesures en opposition avec les principes de notre droit constitutionnel et de nos lois. Il n'apparaît pas, dans l'administration de la justice, que la présence d'Israélites ait été de nature à troubler l'ordre et la vie publique.
L'ordonnance, en excluant les magistrats juifs de la magistrature, est en opposition avec les articles 6, 8 et 14 de la Constitution. Quant aux avocats, ils ne peuvent être rayés du tableau que de leur ordre que par voie disciplinaire. Et c'est vrai que des magistrats de notre génération se posent la question pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas eu de réaction, au moins des chefs de cour. Il n'y avait pas de syndicat de magistrats et d'autres. Robert Badinter le dit très bien dans la préface de notre ouvrage. Mais pourquoi, pourquoi il n'y a pas eu de manifestation, au moins des responsables de la magistrature qui voyaient leurs collègues exclus, dont certains n'ont pas survécu. Alors, avec l'invitation d'Annette Vivorca, évidemment, nous allons parler progressivement de la place du génocide et des victimes et des témoins du génocide, essentiellement, même si on va ouvrir, bien entendu, à d'autres victimes et d'autres témoins, parce que c'est quand même l'axe de son livre, L'ère du témoin, et que ça nous permet, et nous sommes partagés le travail en deux temps, ça me permet, quant à moi, d'aborder dans un premier temps des questions un petit peu plus générales, sur les interactions entre l'écriture de l'histoire et les grands procès, quelques rappels qui me semblent importants, et ensuite l'approche par un magistrat des différences de conception procédurale entre les procès de d'épuration et les procès français et les procès internationaux, celui de Nuremberg et celui de Jérusalem pour Eichmann, qui expliquent la place des témoins et des victimes, à mon sens. Et je le montrerai dans deux interventions assez courtes. La troisième partie sera un petit peu plus longue. J'essaierai de montrer comment les rafles et la déportation des Juifs ont été traités dans le procès Pétain et les procès de d'épuration. Et je prendrai deux exemples, qui est le procès Bousquet et le procès Hennequin, qui était le directeur de la police municipale. Voilà. Et je vais essayer de commencer rapidement par la différence, quelques rappels sur ces procès historiques. C'est quelques rappels qui me semblent nécessaires, notamment pour les étudiants qui suivent beaucoup ce cycle. Concernant le témoignage dans les procès dits historiques. Qu'est-ce qu'un procès historique ? On va bien le voir. Qu'est-ce que la plainte de victime ? Qu'est-ce qu'un témoignage ? Ces procès dits historiques qui sont indiscutablement des moments de mémoire, mais est-ce que ce sont des moments d'histoire ? Rappelons d'abord quelques évidences que le vocabulaire traduit très clairement. Vérité judiciaire et vérité historique ne coïncident pas, même si les interactions entre les deux sont multiples. Vous en avez parlé sur les dossiers judiciaires du 101e bataillon, notamment travaillé par Godhagen. Voilà. Mais le procès est celui de personnes précises, de personnes données, des accusés, à un moment donné, pour des faits précis qui leur sont reprochés, et rien d'autre, a priori. Et les mots ont un sens. On fixe un moment. C'est pourquoi la justice rend un arrêt. C'est ça, l'arrêt. Cet arrêt, c'est une vérité dite. C'est un verdict. Quasiment un arrêt sur image, un instantané, une photographie. À la différence, l'écriture de l'histoire, c'est une progression constante, en même temps que progresse l'accès aux sources, le recul, la recherche, l'historiographie. C'est une réécriture permanente, avec parfois des reculs avec les révisionnistes et des avancées, un film mis à jour des nouvelles connaissances. Donc l'essentiel est de bien savoir à quel moment on juge et qui juge cette remise en contexte. Et donc il faut pour moi intégrer toujours le temps du jugement et un aspect qui ne me semble pas assez abordé dans les questions des juges, les effets générationnels dans la justice. Alors, et je vais l'aborder à travers un exemple de temps court et un exemple de temps long sur le rapport au temps du jugement dans l'immédiate après-guerre. C'est très simple, lors de l'épuration, les accusés avaient intérêt à être jugés le plus tard possible. Ce sera l'exemple de Bousquet en 1949, j'y reviendrai. Je prends un exemple de jugement en temps très court que l'on trouve dans Robert Aron et qui implique Maurice Garçon, l'avocat qu'on va retrouver à beaucoup de moments. Je le dis encore pour les étudiants, ces mémoires sont un témoignage extraordinaire, un témoignage écrit dont on parle. Pas réécrit comme les mémoires du procureur général Mornay. Voilà. On juge à l'époque le préfet de l'Allier à Moulins, c'est sur la ligne de démarcation et il y a Vichy dans l'Allier. Et la Libération, on le retrouve préfet de la Sarthe. Il est arrêté, il est jugé par la cour de justice de la République de Bourges. L'avocat général pense requérir l'indignité nationale, il en parle à Maurice Garçon. Et puis lors du procès, viennent témoigner des victimes du passage de la ligne de démarcation et qui racontent le nombre de morts qu'il y a eu, de son fait, etc.
Et à ce moment-là, le procès s'emballe avec ces témoins et ces victimes qui sont là. Et à une pause d'audience, l'avocat général dit « Je ne peux pas faire autre chose que requérir la peine de mort. Elle va être prononcée. » Et ils se mettent d'accord avec Maurice Garçon. Et compte tenu des nouveaux éléments, ils reportent le procès. Ils rejugent, compte tenu des éléments nouveaux, il faut faire une instruction. Il est rejugé un an plus tard à Amiens. Et là, spontanément, un témoin juif vient lui expliquer comment le même préfet lui a fait passer la ligne de démarcation et il est acquitté. Vous voyez que donc le moment où on passe est très déterminant et avec la pression des témoins qui sont là. Si c'est le temps long qu'on aborde avec les procès Barbie, Touvier, Papon, juste quelques éléments. On le voit bien encore, ces personnes, ces gardiens des camps qui sont encore jugés en Allemagne à 90 ans, 95 ans. Le procès Maurice Papon, je le rappelle encore, qui s'ouvre le 8 octobre 1998 et s'ouvre 55 ans après les faits. Papon, âgé de 88 ans, est jugé pour des actes qu'il a commis à 32 ans. La moyenne d'âge des magistrats et des jurés est de 42 ans. Une seule personne, le procureur général, est née en 1939. Les juges et l'autre avocat général sont nés juste dans l'immédiate après-guerre, notre génération, les années 50. Est-ce que c'est une génération qui juge celle de ses grands-parents avec ses propres yeux? Le risque d'anachronisme est considérable. Et Jean-Noël Jadenet a osé une comparaison que j'ai souvent rappelée. 55 ans d'écart, c'est comme si les mutins de 1917 avaient été jugés après mai 68. Si Dreyfus, Esterhazy, Zola avaient été jugés au début des années 50. Voilà, c'est pour le vertige de la mise en perspective sur le regard, les connaissances, etc. Et on connaît le rôle de l'Association des magistrats résistants dans la loi de 1964. Ce sont eux, autour de Maurice Roland, qui ont fait voter cette loi. Sinon, 20 ans après la guerre, tout était arrêté sur les crimes et on n'aurait jamais pu juger Barbie, Touvier et Papon. Donc, cette question générationnelle, elle explique aussi, je le dis ici, pour partie, l'explication de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le crime contre l'humanité. Car les magistrats de la Cour de cassation, de la chambre criminelle, quand ils ont défini le crime contre l'humanité, ils ont voulu tarir à la source tout contentieux susceptible de nuire aux intérêts de la France dans le cadre de la décolonisation, et ce qui pouvait se retourner contre les Français sur ce qu'ils avaient fait en Indochine ou en Algérie. Ça a été délibéré. C'est la même chose que Jackson et les Américains, quand ils ont voulu restreindre les faits commis par les puissances de l'Axe, pour éviter l'effet boomerang, comme Guillaume Morales l'a rappelé dans un récent ouvrage, pour éviter qu'on puisse le reprocher un crime contre l'humanité du fait de l'esclavage. Et donc c'est tout le problème du droit dans ces procès qui va changer le regard des historiens et des qualifications juridiques. Dernier exemple, c'est Henri Rousseau et Éric Conant qui l'ont montré. Lorsqu'en 1992, un arrêt du 27 novembre, la Cour de cassation, lorsqu'elle permet de juger Paul Touvier comme complice de crimes contre l'humanité, elle avait relevé que l'exécution de sept juifs à Rieux-la-Pape, perpétrée par Touvier, le chef de la milice de Lyon, l'avait été à l'instigation de la Gestapo pour le relier aux criminels nazis. Or, la justice a ainsi fait une interprétation historique totalement erronée, puisqu'en réalité, Touvier et ses miliciens voulaient venger la mort de Philippe Henriot, et ils avaient agi de façon autonome par rapport aux Allemands. Donc vous voyez qu'il y a un problème qui est là. Donc, je vais être très rapide sur le temps de l'histoire et le temps du procès, parce que parfois, les historiens eux-mêmes, on leur a demandé d'être des témoins. Et ça a été tout le débat initié par Henri Rousseau lors du procès Papon sur les témoignages des historiens pour la remise en contexte. Et il a refusé de venir, alors que c'est Marc-Olivier Baruc qui a dû venir, qui avait terminé sa thèse d'État, pour expliquer l'organisation de l'État sous Vichy et d'une préfecture. Et effectivement, vous le relevez dans votre ouvrage, Anne Divorca, c'est en 61, lors du procès Eichmann, que pour la première fois, Salo Baron, professeur à Columbia, est venu témoigner pour fixer le cadre historique, par-delà les témoins. Et dans l'autre sens, je m'interrogeais, vous voyez, je n'avais pas prévu votre intervention, combien de travaux historiques s'appuient essentiellement, avec à mon avis parfois peu de recul sur certains éléments, sur des procès judiciaires. Et il y avait Daniel Goldhagen, mais aussi Christopher Browning, sur la Shoah par balle, hein, la 101e bataillon de réserve de la police allemande envoyée en Allemagne, et qui avait utilisé ses archives. Donc, sur la place des historiens dans le procès, il me semble extrêmement nécessaire pour ce qu'on appelle cette remise en contexte.
Mais François Mitterrand, quand on lui faisait ses reproches sur sa position en tant que ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur sous la guerre d'Algérie, disait « Mais c'est extrêmement facile quand on connaît la fin de l'histoire, c'est-à-dire comment tout ça s'est terminé. L'essentiel, c'est de juger au moment des faits. Et un magistrat, quand il juge quelqu'un, c'est pas avec la connaissance des faits qu'il a 50 ans après ou 30 ans après, mais c'est au moment se mettre à la place de la personne quand elle décide. C'est pour ça qu'il est impossible de dire qu'aurions-nous fait à leur place, alors que tout jeune magistrat se pose cette question, qu'aurions-nous fait à leur place. Donc il s'est posé d'énormes problèmes au procès Papon, je ne reviens pas juridiquement, puisque c'est avec les statuts de témoin que les historiens venaient témoigner. Et par exemple, puisque le principe d'un procès d'assises, c'est l'oralité, ils ne pouvaient pas utiliser leur dossier. Heureusement, l'article 309 du Code de procédure pénale a été modifié suite à ça et il peut venir maintenant, une fois premièrement il s'est présenté, il peut utiliser les pièces de son dossier, faire des démonstrations, et vous le voyez. Deuxième point sur lequel je vais être plus rapide, c'est la différence fondamentale en procédure. Dans tous ces procès internationaux, ceux qui sont voulus et conçus par les alliés, à Nuremberg, ou par un État, à Jérusalem, par rapport au procès en France, où s'il y a un phénomène juridique et médiatique que l'on peut constater, c'est l'extension de la place des parties civiles et des témoins. Il suffit de regarder les procès du Bataclan, les procès de Nice aujourd'hui, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un procès, j'ai été 10 ans avocat général au cours d'assises, c'est un phénomène qui évolue depuis extrêmement longtemps. Donc, en France, par exemple, c'est aussi leur action dans l'instruction. Il n'y aurait pas eu de procès de Maurice Papon, il faut en être très conscient, sans le long combat des parties civiles et l'appui des médias. Or, en revanche, la procédure de common law qui a été imposée Jackson dans les accords de Londres, qui créait le tribunal militaire de Nuremberg, ne comporte pas de partie civile ayant des droits procéduraux représentés par des avocats. Et le procès de Nuremberg, comme le procès de Jérusalem, sont uniquement la confrontation entre accusation et accusé, qui ensuite vont utiliser des témoins à l'appui de leur thèse. Et c'est ça la stratégie totalement différente. Donc on voit aujourd'hui la place considérable, et je pense qu'on l'aura dans le débat après nos interventions, sur les droits procéduraux dans le procès, renforcés des victimes et de leurs familles, qui ont fait basculer l'organisation des débats sur la scène judiciaire, et on le voit toujours, je n'insiste pas, les procès terroristes et les procès V13, le procès de Nice en sont des illustrations marquantes. Je renvoie là-dessus notamment aux travaux de Denis Salas, qui a longuement écrit là-dessus, et je ne peux pas dire mieux que ce qu'il a écrit. J'insiste quand même sur un tout petit point en tant que praticien de cour d'assises, c'est la fragilité du témoignage en justice. Je suis étonné parfois comme certains historiens prennent quasiment pour argent comptant en citant, à l'appui d'une thèse, le témoignage d'un témoin à l'audition. Ça peut être aussi lors de l'audition écrite qui est faite par un policier ou sur un procès verbal par un juge d'instruction. Ce ne sont que les transcriptions d'un rédacteur. Alors que depuis jusqu'aux années 2000, on ne savait même pas les questions qui étaient posées. C'est que depuis 2000 qu'on a obligatoirement les questions posées et les réponses. Donc c'est fondamental. Lors du visionnage ou lors de l'audience, la force émotionnelle d'un témoignage renforce la force de conviction des auditeurs sur la qualité des faits évoqués. Mais le témoignage peut même être sincère, mais peut être totalement erroné, ou erroné sur une partie des faits, ou sur les dates, c'est très fréquent. Donc je pense qu'il faut bien distinguer et être assez critique parfois sur la valeur du témoignage. Donc pour revenir très rapidement sur ces deux procès, le procès des nazis à Nuremberg, le procès d'Eichmann à Jérusalem, Annette Wiewerkahl le précisera, ont été entièrement construits par l'accusation. Dans la prochaine séance avec Sylvie Zimdepère, qui a eu aussi le prix de l'Association française pour l'histoire de la justice pour son remarquable ouvrage sur les images du procès de Nuremberg, l'architecture de la place il y a toute sa place, la façon dont on filme, comment on présente les documents, et c'est dans une approche stratégique de l'accusation qui est totalement maîtrisée, et la communication et pour la force de conviction des juges et pour la force de conviction du public. C'est à l'intention du public qu'on le fait. Donc c'est une démonstration, et il choisit une démonstration, Jackson,
comme le fera Mornay dans le procureur général du procès Pétain, avec une place secondaire aux témoins. J'estime que c'est une place secondaire. Toute une stratégie, notamment au moment de la projection du film. À Jérusalem, je pense, mais Anne Dvorka le dira, c'est mon opinion, que c'est la succession des témoignages qui va à la fois faire preuve et faire histoire. Et ça me semble un argument extrêmement important dans... Vous aviez cette remise en perspective par l'universitaire américain et ensuite cette accumulation des témoignages extrêmement, extrêmement importants qui font à la fois preuve et histoire. Dans les procès français, Barbie, Touvier, Papon, on est dans une procédure d'assises, à la différence qui est préexistante, où il y a des droits procéduraux extrêmement précis. L'accusation n'est pas maître de la procédure, c'est le président du tribunal qui a toute la maîtrise sur les débats. Le principe, c'est l'oralité du témoignage en cour d'assises, c'est un principe fondamental. Et les parties civiles, les associations qui vont gérer aussi leur propre stratégie, par-delà les témoins des victimes directes, les associations des stratégies, et donc ils vont essayer d'utiliser la force de conviction, la force d'émotion de témoignage au profit de ces stratégies, avec parfois, je dois dire, un risque d'instrumentalisation. Donc... les procès Barbie, Touvier, Papon étaient jugés quand les historiens avaient déjà pu écrire l'essentiel de l'histoire. L'histoire était déjà écrite sur la Shoah. En revanche, et là je vais évoquer et donner trois exemples, dans les procès de l'immédiatiste après-guerre, Pétain, Bousquet, Hennequin, l'histoire n'avait pas été écrite. Donc quelle était la place des témoins et qu'est-ce qu'on avait comme contexte historique? Donc c'est ma troisième et dernière partie sur laquelle je vais donner ces exemples et je vais insister, je vais prendre juste un axe, c'est trop important, sur la place de la déportation des Juifs et du génocide dans les procès d'immédiat après-guerre. Et pour concernant le procès Pétain qui se déroule du 23 juillet au 15 août 1945, donc très rapidement, pour situer ce débat à un moment précis, et je reprends là les éléments de l'excellent ouvrage de Laurent Joly, je fais de la publicité sur l'ouvrage de Laurent Joly, extrêmement intéressant, sur le Veldiv, bien évidemment. Je rappelle quand même que deux jours avant l'ouverture du procès, le samedi 21 juillet, se tient au Parc des Princes une grande cérémonie commémorative de la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942 à l'initiative du Parti communiste, sous la présidence du maire communiste Gillot. Et à la tribune, une seule victime s'exprime, Berthe, je sais que Berthe, c'est un prénom qui vous est cher, cher Nadia Jurka, Berthe Falk, rescapée d'Auschwitz, et on trouve dans l'Humanité du 22 juillet 1945 qui titre, et quel est le titre de l'Humanité ? Les Boches arrachaient les petits à leur mère. Il ne faut pas dire que ce sont les policiers français qui seuls ont effectué la rafle. Donc voilà quelle est la vérité historique qui est présentée sous le titre de l'Humanité, les Boches arrachaient les petits à leur mère. Voilà pour la rafle du Veldiv. Et le lendemain s'ouvre le procès Pétain, alors que les rescapés des camps sont revenus depuis peu accueillis à l'hôtel Majestique. Donc je vais essayer de donner quelles sont les pièces essentielles dans lesquelles on retrouve et qu'est-ce qui s'est dit lors du procès Pétain. D'abord le contenu de l'acte d'accusation. Il faut toujours les dater puisque c'est le 23 avril 1945, l'acte d'accusation signé par le procureur général Mornay, sur qui je dirai évidemment un mot, je lui ai consacré 40 pages. Il vise deux qualification criminelle, l'attentat contre la sûreté intérieure de l'État et l'intelligence avec l'ennemi, autrement dit la trahison, c'est sa spécialité. Il n'est fait à ce stade aucune allusion quelconque à la déportation et à la persécution des Juifs, car la rédaction a été faite avant les découvertes des camps. Le procès ayant lieu après le retour des survivants et de la solution finale, il en sera un petit peu différemment dans les débats et dans le réquisitoire final. Rappelez aussi que le crime contre l'humanité n'existe pas encore à ce moment. Pierre Truche le rappelait encore dans un colloque que l'on avait fait. C'est durant le procès Pétain, le 8 août 1945, qu'a été signé l'accord de Londres sur le tribunal militaire international de Nuremberg où sera consacrée la qualification de crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, à Alger, le Comité français de libération nationale, le gouvernement provisoire, n'ont pas créé une incrimination spécifique contre les discriminations. Il y a juste le crime d'indignité nationale, créé le 26 août 1944, qui fait une référence d'avoir publié des articles ou brochures ou livres des conférences en faveur de l'ennemi, la collaboration avec l'ennemi, du racisme, il y a ce mot racisme-là. Il n'est puni que de la peine de dégradation nationale. Et je rappelle que la loi sur la discrimination de 1972 a été écrite, son père, c'est Léon Lioncamp, président du RUMRAP, qui a été... le magistrat exclu de la Cour de cassation sous Vichy et qui a perdu ses trois enfants dans la,
sous Vichy, et qui a élevé ses petits-enfants, dont Pierre Lioncamp, et des grands universitaires. Dans l'acte d'accusation du procureur André Mornay, la déportation des Juifs a été mentionnée deux fois et de façon non explicite. Il parlait d'une collaboration humiliante, je cite, qui plaçait des catégories entières de Français en dehors de la loi et organisait leur persécution sous le puis les livrer au Reich. Un autre passage demandait comment justifier le fait que Vichy, au lieu d'invoquer l'impossibilité de rompre avec les lois et traditions françaises, a promulgué ces abominables lois raciales qu'il aurait 100 fois mieux fait de laisser aux autorités d'occupation. Ces deux phrases alambiquées évoquaient la politique anti-juive de Vichy en la liant avec l'accusation d'intelligence avec l'ennemi. On rappellera au procureur général Mornay que cette législation, j'ai écrit 40 pages là-dessus, qu'il qualifie d'abominable, il l'avait lui-même appliquée pendant l'occupation, puisqu'il était vice-président de la commission de révision des naturalisations concernant les indésirables. Je renvoie à l'admirable livre de Claire Zalk, Dénaturalisé, dans lequel tout cela est expliqué, la conférence qu'on a faite ici à la Cour de cassation. Et je rappelle que Mornay, dans sa tentative d'auto-justification, dans son livre d'après, parle, 4 ans rayés de notre histoire, parle en 1949 de l'excès d'antisémitisme de l'affaire Dreyfus. L'excès d'antisémitisme, voilà, ça situe le personnage. Et pourtant, il existait dans le dossier qui n'a pas été évoqué à l'audience, des éléments sur les arrestations et la déportation des Juifs dans le dossier d'instruction que ni Mongibaud, le président de la Cour de justice, ni Mornay, non procureur, n'ont utilisé. C'est absolument invraisemblable. Il y a tout un dossier qui a été fait, qui n'a pas été utilisé. Et je remercie. Et dans la commission d'instruction du procès, qui est Bouchardon, et le président de la commission d'instruction, je rappelle qu'il a donné une interview à Je suis partout en 1942, Bouchardon, il a pourtant constitué tout un dossier sur la question juive, dans le cadre d'un dossier traînant de l'alignement de la France sur l'Allemagne en matière de politique intérieure. Et on a des témoignages poignants dans ce dossier, notamment les souvenirs de l'avocat Jacqueline Lang lors de l'arrestation des Juifs à Marseille en janvier 1943, et qui aurait pu être d'ailleurs versé au dossier Bousquet, par exemple. Je rappelle, malgré nos demandes sur le voyage, quand nous sommes arrivés le mardi matin après une nuit de délire et d'hallucination, il y avait un cadavre parmi nous et trois femmes qui étaient devenues folles. Il dit « Je ne sais pas si le maréchal Pétain est au courant de cela, toutes les arrestations, etc. » Son témoignage est absolument bouleversant en la matière. Encore plus dévastateur, car il mentionnait directement Pétain, il y avait le témoignage de l'abbé Glasperg sur le camp de Vénissieux, où il y avait 800 juifs étrangers qui avaient été déversés en août 1942. Il rappelait comment un gendarme français avait refusé de libérer une personne aveugle. En entendant la situation des femmes séparées de leur enfant, la déléguée du préfet de Lyon qui était présente à l'opération me dit « Quelle chose abominable nous faisons !» Je lui ai répondu « Et pourtant tu le fais !» Il me répondit « Nous devons obéir au maréchal. » Ces témoignages étaient dans le dossier, ils n'ont jamais été utilisés par Mornay dans l'accusation. Durant l'audience, on trouve un débat très intéressant sur la citation des témoins, et c'est un choix délibéré qui est fait par le président et Mornay de ne pas entendre de juifs survivants. C'est un choix délibéré. Et voilà ce que dit Mornay dans le débat. Nous entendrons quelques représentants des associations sorties saines et sauves. Je les en félicite. C'est la transcription des débats des camps de Buchenwald et Dachau. Leur audition constituera ce que j'appelle des impressions d'audience plus que des arguments. Ce qui importe, c'est de faire une démonstration. Mais l'objet est moins de dénoncer les horreurs que nous connaissons tous que de montrer du doigt l'équivoque dont ce pays a été victime pendant 4 ans. Je lirai des documents, je demande de faire confiance à mon dossier, etc. L'écrit et les faits présentés de façon cohérente, c'est l'écrit et non point l'oralité et l'émotion. Vous voyez la différence avec les procès d'aujourd'hui, les procès du Bataclan. Et pourtant, le principe d'un débat en cour d'assises, c'est l'oralité. Le président Mongibaud est sur la même ligne. À l'audience du 10 août 1945, il refuse de lire une lettre qu'il estime trop passionnée. Je cite cet extrait qui montre la différence avec ce que sera le procès Eichmann et ce que seront tous les procès français depuis le procès Barbie sur la place et la parole de victime et de la victime. Je dis ce que dit le président Mongibaud. J'ai enfin la lettre d'une dame dont le mari était exécuté dans les mêmes conditions que Georges Mandel. Cette dame demandait à être entendue.
Cette lettre, c'est assez naturel, contient l'expression de sentiments violents que nous comprenons très bien. Mais comme je ne veux pas donner à cette audience une allure d'ordre un peu passionnée, sentimentale, pour bien montrer que nous rendons ici la justice et que nous ne vont pas nous laisser impressionner par les cris de vengeance et de représailles, c'est justice. Si justifié soit-il, j'ai fait savoir à cette dame que je ne lirai pas cette lettre et que je ne l'entendrai pas. Donc aucune victime juive ou de leur famille n'a été invitée à témoigner lors du procès Pétain, alors qu'il y avait des témoignages dans le dossier et alors que des personnes ont demandé à être entendues. La voix des victimes, de nombreuses lettres d'associations de déportés ont été ignorées. Un journaliste avait une vieille dame qui s'est présentée au personnel de sécurité du palais de justice. Elle, transparent, elle disait qu'un fils a été battu à mort par les légionnaires, l'autre avait péri dans le camp de concentration de Nordhausen. On lui a refusé l'entrée du procès parce qu'elle n'avait pas de laissez-passer. Aucun survivant de l'Holocauste, aucun parent d'une victime n'a été entendu par le tribunal et aucune distinction claire n'a été faite à l'époque entre les déportés politiques et les déportés du fait de leur race ou de leur religion, pour reprendre la loi de 72 à l'initiative de Léon Lioncan. Donc, et pourtant, des personnes avaient demandé, et je remercie beaucoup Julia Jackson qui va publier un livre sur le procès Pétain et que j'ai rencontré et que j'ai accompagné avec grand plaisir aux archives, et je le remercie Juliane parce qu'il va suivre cette conférence en direct, et il m'a transmis quelques éléments et sur lesquels j'aimerais bien qu'Annette Vivorca me réponde dans son intervention. Il dit qu'il y a en fin de compte deux sources de tension pour lesquelles on n'a pas entendu les victimes de la Shoah lors du procès Pétain. La première, il y avait deux sources de tension. Pourtant, Simone Veil dit, nous voulions parler, mais personne ne voulait nous écouter. Et Julian Jackson dit qu'il y a deux raisons. Il y avait une source de tension au printemps 1945, c'est les tentatives des Juifs revenus des camps de récupérer leurs appartements dont ils avaient été expulsés pendant l'occupation. Et les nouveaux propriétaires qui avaient eu ces logements s'étaient organisés en association, et ils prétendaient effrontément être des patriotes qui avait empêché ses propriétés de tomber dans les mains des Allemands. Il y a eu des incidents horribles qui ont explosé à Paris et on a pu entendre des manifestations crier « Mort aux Juifs, France pour les Français ». Et dans cette atmosphère empoisonnée, dit Julia Jackson, les représentants juifs devaient marcher prudemment. À la libération, la plupart avaient formé le CRIF pour défendre leurs intérêts. Et donc, voilà ce que dit, j'aimerais entendre votre réaction. Deuxièmement, c'est sur le rôle du CRIF qui était juste créé à l'époque, car la commission d'instruction du procès Pétain demande au CRIF de rassembler des éléments et de préparer un témoignage en émoi afin de fournir du preuve du rôle de Vichy dans la persécution antisémite. Et dans les archives, le CRIF a délégué un de ses membres pour rassembler les preuves. Deux mois après l'ouverture du procès, ils ont constaté qu'il n'y avait toujours pas de documentation démontrant. L'organisation était divisée sur la question de savoir si elle devait présenter une demande formelle de témoignage et a décidé à une courte majorité de ne pas faire de venir témoigner au procès, avec en plus ces incidents antisémites. Elle a préféré garder un profil bas et donc elle n'a pas été entendue comme témoin en la matière. Voilà la position. Dans les débats, qu'est-ce qui s'est passé sur la déportation des Juifs dans les débats? En fin de compte, aucun famille représentante n'a été entendue dans le débat sur le procès Pétain. Et les deux seuls résistants déportés qui ont été entendus par la Haute Cour de justice sont Marcel Paul et Paul Arrighi. Et c'est Marcel Paul, résistant communiste qui dénonce les policiers auxiliaires français de la Gestapo, c'est lui qui a été déporté à Auschwitz puis à Buchenwald, qui a seul évoqué les dizaines de milliers d'Israélites qui ont été jetés dans les chambres à gaz, ces malheureux Israélites qui ont rejoint les anti-hiltériens, les antifascistes arrêtés, livrés par un gouvernement qui se prétendait français. Et l'autre, c'est Paul Arrighi, avocat arrêté par la milice déportée à Mauthausen, qui n'a pas dit un mot sur la déportation des Juifs. Et indirectement, c'est suite aux demandes d'Izorni qu'on va entendre, qu'on va évoquer la commission de dénaturalisation des Juifs, puisqu'il fait citer, pour affaiblir Mornay, le président de cette commission, le conseiller d'État, qui présidait
la commission de dénaturalisation. Et c'était pour affaiblir Mornay, puisque Mornay, le procureur général, avait été pendant toute l'occupation, on en a parlé beaucoup lors de la conférence qui lui a été consacrée, avait été vice-président pendant toute l'occupation et a largement contribué à la dénaturalisation. Je donnerai le chiffre de juifs dénaturalisés par cette commission. Et quand on regarde dans les termes des débats, le président Mongibaud, lorsque Pierre Laval vient témoigner, lui dit « Vous avez livré les juifs aux Allemands. Laval, j'ai empêché que les juifs fussent dénaturalisés par une commission composée par les magistrats. Ceux-ci ont fait ce qu'ils ont pu et je les en félicite. » Et c'est un message qui est adressé à Mornay, qui est à l'accusation et qui va être son accusé, son accusateur quelques semaines plus tard. Et la réalité, elle est parfaitement connue, c'est celle de l'été 43, où Pétain refuse aux Allemands une mesure de dénaturalisation collective des Juifs, notamment suite aux protestations, manifestations de solidarité à compter de 42, des autorités religieuses du Vatican et de protestations de Mgr Saliège, évêque de Toulouse. C'est là que ça explique que les Allemands ont échoué dans leur volonté de faire dénaturaliser collectivement par Vichy environ 50 000 Juifs français qui auraient été voués à la déportation. Je cite Serge Klarsfeld, sous un ultime sursaut de conscience de Pétain et Laval, sous pression du haut clergé, de l'opinion publique et des revers allemands. Et donc, en fin de compte, deux seuls témoins vont être cités par la défense sur le sort des Juifs. C'est le pasteur Marc Bogner, qui est le chef des églises protestantes de France, car le Vatican n'a permis à aucun clerc de témoigner, et le grand rabbin a également refusé. Il accepte de comparaître, mais en fin de compte, c'était plus pour défendre le maréchal Pétain. J'ai eu l'impression qu'il était impuissant à prévenir ces terribles mots qu'en privé, il condamnait sans réserve. Voilà ce qu'il dit, faisant référence aux déportations raciales dans ma déclaration écrite, ce qu'il dit après. J'étais sûr de l'avoir dit. Jamais il n'y a eu un mot suggérant que le maréchal Pétain soutenait la politique. Il m'a toujours semblé être en désaccord total avec son gouvernement. Je vois maintenant que j'avais omis cette phrase lors de mon audition, dit-il. Et l'autre témoin, c'est Jean-Marie Roussel, le conseiller d'État qui préside cette fameuse commission de dénaturalisation sur laquelle je recommande l'ouvrage « Dénaturalisé » de Claire Zalk. Et Roussel vient dire que, en fin de compte, ils ont eu une énorme pression et qu'ils n'ont dénaturalisé que 3% du total. On en a beaucoup parlé lors de la conférence sur ce. Ils ont traité 250 000 dossiers. Ils n'ont dénaturalisé, disent-ils, que 3% du total. Mais quand on regarde sur les sources, 15 154 dénaturalisations, dont 6307 juifs. Et quand on regarde le rapport qui est fait par Debrinon et Gabold à la Gestapo le 8 septembre 1943, il écrit que depuis 1940, 7055 juifs ont été dénaturalisés et 1984 maintenus dans la nationalité française sur un total de 23 648 naturalisés entre 1927 et 1940 et notamment par le Front populaire, ce qui représente 40% du total à eux seuls des dénaturalisés. Et vraiment cet élément est dans l'ouvrage, le dernier ouvrage de vous donner un exemple effectivement de ce qui s'est passé par cette commission des naturalisations, où un membre de votre famille qui a été naturalisé français, il est déporté en tant que français et en fin de compte la commission statue sur son cas, et au moment où il meurt à Auschwitz, il a été dénaturalisé par cette commission. Donc le réquisitoire de Mornay va évoquer, suite au débat, très brièvement la déportation des Juifs, très très brièvement, puisqu'il y a eu les débats. Je cite exactement les termes. Dès le mois d'octobre, parce qu'il en parle peu, parce qu'Hitler persécutait les Juifs, a été promulguée cette monstrueuse loi instituant ce qu'on a appelé le statut juif, qui sont exclus de la vie publique, incapables de remplir une fonction, c'est la loi du 3 octobre dont j'ai parlé. On les arrache de leur siège des magistrats portant des noms illustres dans les annales du droit. Et bien sûr, j'ai trouvé des correspondances de Léon Lioncamp avec Mornay, qui va protéger quelqu'un, c'est vraiment extraordinaire. On faisait ainsi une table rase des principes inscrits dans les lois de 1790-89. On répudiait 1789 pour se rallier à la conception hitlérienne du droit. Il n'évoque les déportés que d'une phrase à la fin de son réquisitoire qui montre ce que l'on savait à l'époque.
je le cite, en France, 150 000 otages fusillés, 750 000 ouvriers mobilisés pour les travailler en Allemagne, notre flotte détruite, la déportation à l'ombre de la collaboration, 110 000 déportés politiques, 120 000 déportés raciaux, sur lesquels, savez-vous combien il est revenu à l'heure actuelle, 1 500 sur 120 000. Voilà, c'était, on sait qu'il y a eu 76 000 juifs déportés. Et l'arrêt de condamnation, on sait que les magistrats ont été mis en minorité et que c'est un juré qui a rédigé l'arrêt. Il retient simplement, sur toute la déportation des juifs ou la déportation, simplement un bout de phrase. La France adoptait bientôt une législation raciale calquée sur celle de l'Allemagne. C'est la seule référence dans la définition. Un mot pour terminer, maintenant, en évoquant rapidement le procès des Juifs dans les autres procès de l'épuration, le plus topique, je vais extrêmement vite, c'est le procès de Émile Hennequin. Je renvoie au livre de Laurent Joly sur la rafle du Veldiv qui met tout cela en évidence, qui est directeur de la police municipale sous Vichy et qui conduisit la lutte antiterroriste contre les communistes, qui dirigea la rafle du Veldiv en mobilisant 9000 policiers. C'est lui qui, sous l'autorité de Bousquet, a tout organisé, donné les consignes par circulaire. Lors de son procès, pour parler des témoins, sont cités 140 témoins, dont 2/3 par l'accusé, pour évoquer l'activité de résistant qu'il revendique et pour avoir obéi et risqué sa vie pour la patrie. Celui qui préside, c'est pour ça que j'ai écrit un article sur lui, c'est Paul Didier, le seul magistrat qui a refusé de prêter serment. Et pourquoi Paul Didier ? Il préside du 16 au 26 juin 1947. Et le rapporteur de la commission d'épuration de la préfecture vient attester de ce qu'Hennequin n'a fait que le minimum vis-à-vis des Allemands. Et quand on regarde le réquisitoire du commissaire du gouvernement Bouchard, il insiste contre la répression contre les résistants, mais il exonère totalement Hennequin de sa responsabilité dans les rafles des Juifs. Je cite « Je considère, quant à moi, que la question des rafles est épuisée. » Et il appelle les jurés à se prononcer de façon modérée, entre guillemets, sans trop de rigueur, sans trop d'indulgence, ce qui serait de la faiblesse. Il est condamné en 47, on est 26 juin 47, la Cour de justice à une peine de 8 ans de travaux forcés, dégradation nationale et à la confiscation de ses biens, ainsi que la radiation de l'ordre de l'honneur. Mais il a un décret de grâce dès le 28 juin 48 et il sort tout de suite de la prison. Le responsable du service juif de la préfecture, Jean-François, va voir son dossier totalement s'étioler, il ne sera jamais poursuivi en justice. Il est suspendu par la commission d'épuration, responsable de toutes les arrestations d'israélites en région parisienne en accord avec les autorités allemandes. Il échappe à l'internement administratif et il ne sera jamais poursuivi. Pourquoi ? Il est défendu par Maurice Garçon et il obtient dans l'instruction un classement sans suite par le commissaire du gouvernement. André Tullard, celui qui a construit le père du fichier juif sur lequel s'est appuyée la rafle du billet vert du 14 mai 41, n'est jamais poursuivi. Je termine par quelques mots sur le procès de René Bousquet en haute cour en 1949. Il est arrêté le 18 mai 45, incarcéré, remis, on disait à l'époque, en liberté provisoire le 2 juillet 48, près de 3 ans de détention, et il va comparaître libre le 22 juin. 3 jours de débat, dont le deuxième très court. Le verdict le 24 juin. Hasard, en regardant, j'ai le journal Combat de l'époque, le même jour, Combat rend compte du verdict d'acquittement et en première page, on a un article de Maurice Nadeau qui présente le livre de Robert Antelme, L'espèce humaine. Vous voyez, pour remise en contexte, rappelons que peu avant, le 22 décembre 1948, Marcel Perrouton, celui qui était ministre de l'Intérieur en 1940, qui a fait appliquer la loi du 3 octobre 1940, celui qui a aboli le délai Crémieux de 1870 sur les Juifs d'Algérie, mais qui s'est rallié à Giraud, a été acquitté par la Haute Cour de justice peu avant, pour essayer de resituer l'époque. Le président, c'est Noguère, qui va terminer, et le rôle essentiel d'un des jurés, qui va jouer un rôle considérable, c'est Jean Baillet, radical socialiste, qui l'embauchera ensuite à la Dépêche du Midi, et qui va jouer un rôle considérable, bien entendu aussi avec le financement des campagnes de François Mitterrand pendant les années qui suivent. Un élément de contexte, c'est le 24 juin qui est rendu le verdict. Le 22 juin 1949, Conseil des ministres, François Mitterrand, secrétaire d'État chargé de l'information à la présidence du Conseil, rend compte du projet de loi
d'amnistie en faveur des coupables du fait de collaboration. Et Jean-Paul Martin, qui est collaborateur de Bousquet au ministère de l'Intérieur et membre du cabinet de François Mitterrand, dont il restera de longues années l'ami proche et le collaborateur. Le procureur Fred Damicourt, qui est révoqué sous Vichy parce que franc-maçon, qui revient, qui n'a donc pas prêté serment à Pétain, ne cite que deux témoins et ne poursuit Bousquet que sur ce qu'on appelle la mission d'éloge, c'est la détection de radio en zone libre pour les Allemands. Donc, en fin de compte, ce procès Bousquet de 49, il met en évidence que le rapport au temps modifie totalement le regard de la justice sur le même fait. Le procès qui aurait le plus de sens, plutôt que le procès Papon, c'est évidemment le procès de René Bousquet, et ça aurait été extrêmement intéressant de comparer le procès Bousquet de 49 avec celui qui aurait dû avoir lieu à partir de tous les éléments accumulés sur la collaboration, les accords Bousquet-Aubert, la rade du Veldiv, la rave de Marseille, etc. Et il a fallu attendre de longues années, tout le travail de Serge Klarsfeld et beaucoup d'autres, pour reconstituer toutes ces charges qui auraient fait le procès de Bousquet si, dans les années 90, si un imbécile n'avait pas voulu jouer le rôle de justifié. Je rappelle simplement, là encore une dernière fois, le remarquable ouvrage de Laurent Joly, mais que la rave du Veldiv a été organisée et exécutée par la seule police française les 16 et 17 juillet 1942, et que le 13 août 1942, Bousquet avait transmis au préfet de la zone occupée la note Aubert sur les conditions de collaboration entre les deux polices. Mais de quoi était accusé Bousquet en 1949? De quoi est-ce qu'il était accusé? Il y a 26 pages de l'acte d'accusation du procureur général. Il est essentiellement poursuivi pour des faits d'indignité nationale et d'actes de nature à nuire à la défense nationale. Et on oublie totalement les éléments qui étaient là encore dans le dossier d'instruction. Voilà ce que dit le procureur général. Bousquet intervint souvent en faveur d'Israélites, leur procura des facilités. C'est complètement au soutien de Bousquet. Il s'opposa à l'extension du port de l'Étoile, fit relâcher en 1943 des Juifs, etc. Bousquet ne put empêcher la déportation des Juifs étrangers de zone sud. Il obtint qu'elle fût faite par la seule police française, etc. L'examen ci-dessus du rôle de Bousquet, dit le procureur général, fait ressortir que si dans ce nombreux cas, il s'est efforcé d'éviter le pire, mais il a consenti à servir en tant que haut fonctionnaire la politique de persécution de Vichy. Donc je termine. Et donc s'il y a un fait particulièrement grave, dit le procureur général, qui doit rester seul à sa charge, c'est sa participation à la détection des postes clandestins nuisibles de la résistance et des alliés en zone non occupée. Et les comptes rendus montrent que Bousquet va totalement dominer les débats. Il va le dire, j'ai soutenu la politique raciale, j'ai regardé tous les journaux de l'époque, la politique raciale comme la corde soutient le pendu. Voilà le titre du propos de Bousquet. J'ai soutenu la politique raciale comme la corde soutient le pendu. Il déclare, pour moi, il ne pouvait pas y avoir de problème antisémite, je n'étais pas anti-israélite, et même si je ne l'avais pas été, j'aurais eu assez de bon sens pour ne point paraître quand l'ennemi était là. Il rappelle qu'il a organisé l'émigration à Casablanca de 3000 Israélites, qu'il a fait libérer plus de 4000 des 7000 internés raciaux de la zone sud et qu'il a fait supprimer le départ de 10 000 juifs d'origine allemande. Et dans le procureur général Fred Damicourt ne requiert qu'une peine de prison modérée et ne relève pas de mesures prises par Bousquet contre les communistes. Il le poursuit simplement pour les postes clandestins. C'est vraiment... Et Bousquet est défendu par le bastonnier Maurice Ribet, qui a défendu Daladier au procès d'Orion, mais très courageusement. Et il vient faire témoigner un fils de préfet, Vier, qui vient de Baden-Baden, où travaille cette personne. Il travaille dans la zone française, sous les ordres de Maurice Sabatier, qui était le patron de Papon à Bordeaux, et qui, conseiller d'État en 1950, a présidé la commission chargée d'évaluer le montant des réparations à effectuer sur les synagogues détruites partiellement pendant la guerre. Et inculpé en 88, je rappelle, il est décédé. Là. Et Ribet termine sa plaidoirie sur la note de Bousquet à Knochen, dans laquelle il s'oppose à la consultation par la police allemande. Et donc, il est acquitté pour les faits d'atteinte et relevé de cela. Pour indignité nationale, condamne Bousquet à 5 ans de dégradation. Donc, je pense que je pourrais lire toute la conclusion de tout ce qui était dans le dossier d'instruction. Il y avait tous les éléments à charge sur le rôle de Bousquet qui n'a pas du tout été utilisé. Il aurait parfaitement pu être jugé des années après en la matière. Donc Bousquet, confronté à des témoins, aurait été condamné, je pense, extrêmement lourdement. Et vous voyez la différence
lorsque les témoins et la victime sont là et lorsqu'elles ne sont pas là. Et dans ces procès de l'occupation, cela m'a semblé absolument déterminant. Et voilà, c'est ce que je voulais terminer là-dessus pour ne pas être trop long et laisser la parole à Nelly Vorka. Je vous remercie. C'est à vous. Je remets mon micro. Je ne sais pas trop quoi faire parce que j'avais préparé un topo sur Eichmann, mais je vais commencer par répondre aux questions qui ont été posées. D'abord, je vais faire quand même une petite remarque sur la rave du Veldiv. La rave du Veldiv, et Laurent Joly le rappelle fortement dans son ouvrage, comme d'ailleurs Jacques Chirac dans son fameux discours du 16 juillet 1995, où il reconnaît la complicité des Français, ils indiquent que la rafle est quand même allemande. C'est-à-dire que si la police française est mise au service des Allemands, et si elle est effectivement seule présente dans le département de la Seine, hein, qui était, c'est par une série d'accords qu'on trouve d'ailleurs très très détaillé dans le calendrier de la persécution des Juifs de Serge Klarsfeld, et par une sorte d'aberration qui est que Vichy, et donc en l'occurrence ici Laval-Bousquet, veut affirmer sa souveraineté sur tout le territoire. Donc s'il propose de mettre la police au service, c'est pas mu par un antisémitisme forcené, mais c'est pour affirmer la souveraineté. C'est ça, et Joly l'explique aussi tout à fait bien. Et il explique aussi comment le comportement de la police a été erratique et comment les nazis avaient prévu une trentaine de milliers de d'arrestations et qu'il n'y en a eu que, je mets que bien évidemment avec mille guillemets, un peu moins de 13 000. Ça veut dire que 17 000 juifs ont échappé, soit parce qu'ils se sont cachés, ils ont été prévenus, notamment par des fuites qui venaient de la préfecture de police, soit parce qu'ils étaient dans leur appartement, ce qui était le cas de mes grands-parents maternels, que la police a cogné et qu'ils n'ont pas ouvert et que la police est partie. Donc, une des grandes qualités du livre de Joly, c'est de montrer que les comportements policiers ont été différents, parfois du zèle, parfois du pas zèle. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Maintenant, le CRIF. Il y a vraiment un problème que vous avez très très bien pointé, qui est le problème du contexte, et j'ai envie de dire aussi de lié au problème du contexte, le problème de l'anachronisme, qui est un des grands péchés que l'historien traque. Le contexte, et puis j'aurais envie, moi, de vous poser une question en lien avec la prescription. Le contexte, on n'en a pas besoin quand on juge pendant la période. Je donnais un petit exemple avec MeToo. Donc moi, j'ai l'âge que vous avez, que vous pouvez imaginer. Je dois avouer que tout ce mouvement MeToo, il m'est étranger. C'est quelque chose qui concerne beaucoup des très jeunes. Et je vois comment il y a une sensibilité différente de ma génération, et de la génération des plus jeunes. Donc le contexte, on n'en a pas besoin quand on juge au moment des faits. Si, comme vous l'avez rappelé, le grand historien Salo Baron témoigne à Nuremberg, bon, c'est le professeur à Columbia, c'est le pionnier de l'histoire sociale des Juifs, il a écrit une histoire de 20 volumes, c'est vraiment un très grand historien. C'est tout simplement qu'on demande, c'est parce que au procès Eichmann, le procureur a
la conscience aiguë que 15 ans, c'est-à-dire tellement longtemps, s'est passé depuis les faits et le procès. Donc il faut tracer un tableau de ce qu'avait été la vie juive pour les jeunes qui sont nés en Israël et qui n'ont pas la connaissance du contexte. Et plus on s'éloigne, plus effectivement il y a un problème de contexte. Et je me demande si la prescription n'est pas liée, mais c'est une question que je pose, moi je ne connais rien en droit, n'est pas liée justement au fait que, en droit français, la procédure est orale et qu'elle nécessite et que 20 ans après, parce que c'est en gros le délai de prescription, bon, c'est variable suivant les pays et suivant les crimes. Voilà, donc ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, toujours liée au contexte, le CRIF. Alors le CRIF, vous allez voir en, je sais pas quand, en janvier peut-être, il va y avoir le dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, il y aura tout le monde. Alors le président de la République depuis peu, avant c'était le Premier ministre, et puis tous les responsables politiques, sauf ceux dont les dirigeants de la communauté ne voudront pas, parce qu'ils estiment qu'ils ont été antisémites. Alors dans le temps, je ne sais pas ce qui va se passer, il n'y avait jamais le Front National. De temps en temps, il n'y avait pas l'extrême gauche, mais il y a tout le monde. Donc il y a tous les ministres, c'est tous les ministres. Bon, ça n'a pas été comme ça tout le temps. Moi, je me souviens quand Édith Cresson a été nommée Premier ministre. Il se trouvait qu'elle avait, là je vous donne un scoop, elle avait comme conseiller spécial Abel Farnoux, le bel Abel, qui était d'ailleurs un rescapé des camps, comme l'était sa femme. Il se trouvait que pour des raisons de voisinage à Vanves et à cause de mes activités, je les connaissais. Elle est nommée 8 jours avant le dîner du CRIF. Et Abel me téléphone et il me dit « C'est quoi le CRIF ?» Et je lui dis « Ben, je te fais une note. » Donc je lui explique ce qu'est le CRIF. Et c'est moi qui ai rédigé le discours d'Édith Cresson, répondant au Premier ministre. Personne ne savait ce qu'était le CRIF. Et c'était petit. Donc là aussi, il y a un anachronisme à penser que le CRIF est quelque chose d'important dans l'après-guerre. Le CRIF, c'est rien. Le CRIF, c'est, les Américains diraient, une umbrella organization, c'est-à-dire une fédération des organisations juives qui a été créée en 1944, pendant l'occupation, pour tout à la fois... Oui, fédérer ce qu'on appelle les grandes organisations et surtout faire une sorte de front pour la première fois entre juifs issus de l'immigration et ceux qu'on appelle, vous avez, c'est ce mot qui figure dans les textes que vous avez cités de juristes, les israélites, c'est-à-dire les juifs depuis plusieurs générations, pas les générations d'immigrés. Et en fait, il a peu d'actions, peu de pouvoir, et surtout jusqu'à, bon, je ne vais pas faire l'histoire du CRIF qui est un peu compliquée, mais jusqu'à il s'occupe il est présidé par le président du consistoire. Ça veut dire que le lien entre l'organisation qui organise le culte depuis Napoléon, qui est le consistoire central, et le CRIF, c'est un lien organique. Et effectivement, il s'est occupé de très peu de choses, sinon de s'occuper de la, pas tellement des logements, mais de la restitution des biens après leur organisation, c'est-à-dire après le passage obligatoire de biens des mains juives aux mains ariennes. C'est la thèse d'un Lyon-Caen, dont j'ai oublié le prénom, qui explique comment l'arianisation a été un vol légal par une loi qui était une loi du gouvernement de Vichy
inique. Donc ils vont beaucoup s'occuper de ça, de la restitution. Et surtout, toute une partie des Israélites sont sur les mêmes positions. Je pense à quelqu'un qui a été longtemps secrétaire du consistoire, qui avait été prisonnier de guerre, qui s'appelait Roger Berg, qui fait un ouvrage sur la persécution, qui est juif, hein, oui, secrétaire du consistoire, vous pouvez deviner. Et pareil, c'est les Allemands, il n'y a pas Vichy. Si on revient à Nuremberg, après j'irai quand même un peu parler d'Eichmann et du témoin, si on revient à Nuremberg, qu'est-ce qui se passe à Nuremberg ? Le président du Congrès juif mondial, qui s'appelle Chaim Weizmann, demande à être témoin à Nuremberg. On lui explique que ce n'est pas opportun. Donc il va l'expliquer à Eichmann. Et à Nuremberg, c'est très intéressant parce que le génocide est bien présent, vraiment présent. Mais il n'est pas détaché du reste de la criminalité nazie. Et si on regarde l'accusation française, vous avez deux procureurs adjoints qui vont jouer les rôles les plus importants à Nuremberg. D'un côté, Charles Dubost, qui va être très très présent. De l'autre côté, Edgar Faure, dont un de mes étudiants, Tisseron, avait noté qu'il était quand même un peu intermittent, malgré tout. Mais Edgar Faure fait un réquisitoire sur la persécution des Juifs, qui est un modèle. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans un cours d'histoire, distribuer le texte d'Edgar Faure, qui est impeccable, où il montre qu'il y a d'abord le temps des décrets, c'est la législation, ensuite le temps des rafles, et qui présente au procès de Nuremberg le fameux télégramme d'Izieux qui permettra d'inculper Barbie dans la présentation. Vous pouvez voir sur les... Je vous ai dit, vous pouvez tout regarder sur Internet, hein, tout Nuremberg là, sur Internet maintenant, et la seule chose, c'est que le télégramme d'Izieux n'est pas signé, parce que Barbie, c'est small fish, comme diront les Américains, de Touvier d'ailleurs, pas de Barbie. Bon, c'est pas quelqu'un de suffisamment important, Barbie, si on le compare à Göring, Ribbentrop, à tous les grands dignitaires nazis qui sont sur le banc des accusés. Et les témoins maintenant ? Les témoins, ils sont convoqués, bien évidemment, il y a des témoins, notamment Dubost, si on prend les témoins français. Il fait venir à la barre que des témoins des camps de concentration. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le juge les bouscule. On a déjà entendu ça. Vous êtes trop long, vous vous répétez, vous nous aviez dit, mais un camp ressemble à l'autre. Donc, il n'y a pas du tout cette espèce de respect, de vénération devant la victime. Et pour Auschwitz, on choisit une femme qui n'a pas du tout l'air d'une victime et qui ne se présente pas comme une victime, qui est Marie-Claude Vaillant-Couturier, grande figure du Parti communiste, qui va faire une déposition. La déposition sera filmée et vous trouvez sur YouTube la déposition. Donc c'est elle qui parle d'Auschwitz. Elle en parle bien. Elle ne cache pas que l'arrivée des Juifs et l'assassinat, les norias de train qui déversent les Juifs, elle en parle très bien. Mais il n'y a quasi pas de Juifs, un peu, deux ou trois, pour l'accusation soviétique, mais l'accusation soviétique vient très tard. Nuremberg, moi j'ai fait ce livre sur Nuremberg en 1995, il est réédité, j'ai fait un petit post-scriptum sur la version de le refaire, parce que l'art est long et la vie est courte. Voilà, donc on ne peut pas revenir sans arrêt en arrière. Mais pourquoi j'ai fait le post-scriptum sur Nuremberg ? Parce que ça explique bien ce qu'a été Nuremberg. Et vous l'avez dit, Nuremberg, c'est les Américains qui organisent Nuremberg. Et le but des Américains, il est très clair, mettre la guerre hors la loi et ne pas faire retraverser l'Atlantique aux Boys et même le Pacifique, comme ils l'ont fait en 14 et comme ils l'ont refait en 44, au moment du débarquement,
sans compter la guerre ailleurs. Et le cœur du procès, le cœur même du procès, c'est le complot contre la paix, complot, conspiracy, c'est pas plot, hein, c'est le complot contre la paix et le crime contre la paix. Et tout le procès est structuré autour du complot contre la paix et du crime contre la paix. Dans ce petit livre, je consacre le premier chapitre sur le complot contre la paix, le crime contre la paix. Et j'écris, curieusement, personne ne s'en souvient et on l'a totalement abandonné. Or, il revient, et c'est un peu une réponse aussi à ce que vous disiez, il revient. Pourquoi il revient ? Parce qu'il y a un juriste de droit international qui s'appelle Philippe Sand, dont je vous conseille vivement de lire son livre qui s'appelle « Retour à Lemberg », qui a fait une tribune libre, une tribune dans le monde avec un John Major, je crois, un ancien Premier ministre britannique, disant qu'il faut remettre le crime d'agression et il faut faire un tribunal pour punir Poutine du crime d'agression. Et à Nuremberg, le crime de guerre, les crimes de guerre, on sait ce que c'est depuis assez longtemps, hein, depuis la fin du 19e siècle, et le crime contre l'humanité, qui est une qualification nouvelle, ne peuvent exister que en lien avec la guerre d'agression. Donc Nuremberg verrouille le crime contre l'humanité à la Seconde Guerre mondiale et empêche effectivement les crimes du colonialisme. À l'heure actuelle, les dirigeants ukrainiens réclament une cour pour punir la guerre d'agression. Donc, un retour à Nuremberg. Alors, dans mon livre, je m'étais trompé. J'avais dit, ça n'a plus jamais été utilisé, la guerre d'agression. C'est pas vrai. Ça a été utilisé au procès de Tokyo. Et je vous conseille vivement de regarder sur Netflix Tokyo's Trial, sur le procès de Tokyo, une mini-série, 4 épisodes, ça doit faire 3 heures en tout, sur les procès de Tokyo, où tout tourne autour, presque tout tourne autour de la question de la guerre d'agression, du pacte Briand-Kellogg de 28, et c'est passionnant par rapport à aujourd'hui. Alors, les témoins, il y en a toujours eu, y compris, mais c'était des témoins qui étaient là pour documenter. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais je conseillerais de le voir, le film de Lonitsa qui s'appelle Babi Yar Contexte, qui est un documentaire sur un documentaire uniquement un montage d'archives. Il y a à la fin du documentaire le procès de nazis qui ont perpétré les fameux massacres de Babi Yar et qu'on voit d'ailleurs jugés et pendus. Et il y a une dame, Dina Pronicheva, j'ai noté son nom parce que j'aurais oublié, qui témoigne à ce procès. Et ça, c'est prodigieux. C'est-à-dire on retrouve maintenant sans arrêt, des films qui ont été tournés par les soviétiques. Il y a beaucoup plus d'images qu'on l'a cru. Hein. Et cette femme, et ça va me permettre de dire 2 mots après d'Eichmann, cette femme, elle a été massacrée comme les autres, et elle s'est sortie du tas de cadavres. Et c'est pratiquement la même histoire qu'une dame qui a fait une impression, qui a fait une des plus grandes impressions au procès d'Adolf Eichmann, et qui s'appelait Rivka Yoselevska, qui raconte comment elle a survécu alors que sa petite fille Martha, elle, a été assassinée en se sortant du tas de cadavres. Alors, je vais, parce qu'il faut laisser du temps à la discussion, je vais dire quelques mots à Eichmann. Alors, je rappelle qui est Adolf Eichmann. Je vous signale aussi que sur Netflix, vous voyez, je suis moderne, hein,
Sur Netflix, vous pouvez voir en ce moment Le procès d'Adolf Eichmann, qui est le film que j'ai coécrit avec Michael Prazan. Et vous avez beaucoup d'images. C'est un documentaire, hein, donc je vous le signale. On ne donne plus de bibliographie. On donne des... Si. Non, je plaisante un peu. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe sur le procès Eichmann? Non, je vais encore dire un petit mot sur la question de la communauté dans l'après-guerre. La communauté dans l'après-guerre, elle a perdu un quart, ce qui est moins qu'ailleurs. Elle est préoccupée de sa reconstruction, elle est préoccupée de faire des maisons d'enfants pour élever les orphelins. Elle s'occupe très peu de choses juridiques. Et par exemple, j'avais été très étonné en étudiant les statuts des déportés qui ont été faits en 48. En 48, le Parlement vote deux statuts, un statut de déporté résistant, un statut de déporté politique. Les déportés raciaux, comme on disait, étaient dans les déportés politiques, avec des différences énormes de pension et tout. Et là, on ne voit pas non plus d'intervention des juristes juifs. C'est un peu comme si, de cela, ils ne s'occupaient pas énormément. Dans mon autobiographie familiale, je cite les articles qui sont écrits au moment où il y a la prise de conscience que les déportés ne reviendront pas, dans un petit journal socialiste, un vrai journal, hein, qui s'appelait Le Réveil des Jeunes. Et ils disent, voilà, on a deux revendications, récupérer nos appartements et nos commerces, parce que les appartements étaient souvent les ateliers en même temps pour les immigrés, et que les déportés étrangers de France, non, les étrangers, les juifs étrangers déportés de France aient le droit de revenir en France. Et ça va être accepté tout de suite, sans problème. Et l'autre, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Je reviens à Eichmann. Le procès Eichmann, c'est un procès d'une importance capitale, parce que c'est, comme disait le Premier ministre israélien à l'époque, Ben Gurion, le Nuremberg du peuple juif. Et c'est le premier récit historique d'ampleur qui isole qui fait une histoire séparée du génocide des juifs par rapport au reste de la criminalité nazie, alors que Nuremberg mêlait tout. Donc c'est très important. Et il se fait aussi à un moment où l'historiographie est balbutiante. Et ça, vous l'avez noté, que ces procès, ils produisent finalement un premier récit historique, là où les historiens n'ont pas encore travaillé. Alors que quand ont lieu les procès Barbitouvier-Papon, il y a une historiographie déjà considérable, quoi. Vous avez cité Marc-Olivier Baruch, mais il y en a beaucoup, certains qu'on a complètement oubliés, Azemab et Darida. On a la mémoire courte, en fait, des historiens. Donc, c'est ce premier récit. Et là, il y a un choix du procureur, qui s'appelle Gideon Hausner, qui est de faire le procès en s'appuyant sur deux piliers, la documentation, les archives et les témoignages. Les archives, elles sont à très peu de choses, les mêmes que celles de Nuremberg. Les témoins, quelques-uns étaient à Nuremberg, on y reviendra peut-être, mais très peu nombreux. Hausner a écrit ses mémoires, hein, donc là c'est un livre, c'est pas Netflix. Donc il a écrit ses mémoires, et dans ses mémoires, il dit: il ne s'agit pas seulement d'obtenir un verdict, une petite fraction des archives
aurait suffi pour faire condamner Eichmann 10 fois et 10 fois encore. Il veut le récit écrit en lettres de feu d'un désastre national, d'un désastre humain hors de proportion. Et ce sera donc les témoins, car, dit Hausner, il s'agit de tout autre chose que d'enrichir pour l'avenir la bibliothèque de l'histoire. C'est un procès qui s'adresse au présent, à la jeunesse du pays. Je cite encore Hausner, « Il était nécessaire pour le bon équilibre de notre jeunesse qu'elle connût la totalité de la vérité sur ce qui s'était passé. Notre nouvelle génération, tout entière absorbée par la création de notre nouvel État et par sa défense, n'avait que trop peu pénétré les événements qui auraient dû constituer le pilier de son éducation. » Alors la conscience aiguë, et là il faudrait quand même qu'on se rappelle de la conscience aiguë qu'a Hausner, c'est que 15 ans ont passé et que la mémoire des témoins a pu se détériorer en 15 ans. Et il va choisir, en faisant un véritable casting, et moi j'utilise le mot de casting, et je retrouve le mot de casting dans les chroniques qui viennent d'être publiées d'Emmanuel Carrère, V13, qui est un livre que j'ai beaucoup apprécié, hein, qui sont ces chroniques du procès du Bataclan. Il parle d'un casting, et il dit aussi qu'il y a des bons témoignages. Donc en fait, comme les médias disent, il y a des bons clients, il y a des bons témoignages, il y a le bon témoin, celui qui va arracher des larmes d'émotion, et on est dans quelque chose qui est le contraire de ce que vous nous avez montré pour les procès d'épuration, surtout pas d'émotion. Et là, plus il y a d'émotion, j'ose pas dire plus on est content, mais on cherche l'émotion. Donc pour moi, c'était étrange de voir qu'il utilisait les mêmes mots, il ne m'a pas lu, hein. Donc je suis pas en train de dire qu'il m'a... Mais c'est une évidence, quoi, de retrouver ça, et ça conforte encore cette idée que le procès Eichmann, c'est l'avènement du témoin, c'est-à-dire c'est le début de ces procès qui sont fondés sur le récit des victimes. Je vais citer encore Hausner. Le seul moyen de faire toucher du doigt la vérité était d'appeler les survivants à la barre en aussi grand nombre que le cadre du procès pouvait l'admettre et de demander à chacun un menu fragment de ce qu'il avait vu et de ce qu'il avait vécu. Le récit d'un certain enchaînement de circonstances fait par un seul témoin est suffisamment tangible pour être visualisé. Mise bout à bout, les dépositions successives de gens dissemblables ayant vécu des expériences différentes donnaient une image suffisamment éloquente pour être enregistrée. Ainsi espérais-je donner aux fantômes du passé une dimension de plus, celle du réel. Alors il trouve effectivement les bons témoins, ceux qui ont déjà témoigné, soit parce qu'ils ont écrit des livres. Alors je vais citer le seul français à être témoin au procès Eichmann. Il s'appelait Georges Villers. Il s'est fait passer pour un conjoint d'Arien. Je mets Arien avec des guillemets, hein, c'est de la langue nazie. Et il est resté assez longtemps à Drancy, et ensuite il a été déporté. Il a écrit un récit après la guerre, de Drancy à Auschwitz, et il a été un des historiens du Centre de documentation juive contemporaine qui est devenu le mémorial de la Shoah. Et il témoigne de l'arrivée des petits de la rave du Veldiv, la rave du Veldiv que Jean-Paul a évoqué tout à l'heure. Elle a eu pour caractéristique qu'on a arrêté les enfants, y compris les tout-petits, et qu'en attendant que Eichmann donne le feu vert pour qu'on les déporte aussi, on les a séparés dans les camps du Loiret, Petit Viepot de la Rolande, des parents, et on les a déportés tout seuls. Donc on les a transportés de
Pithiviers, Baudelaire-Hollande, en train jusqu'à Drancy. Et c'est ça qu'il décrit, l'arrivée des enfants et la déportation. C'est un récit tellement poignant que Procès Eichmann a été filmé, que la caméra saisit l'interprète. Je fais ce geste-là parce qu'elle est dans une... C'est une maison de la culture, hein, c'est comme un théâtre. Elle est dans une loge, elle est en haut, que l'interprète pleure en traduisant de français en anglais. Donc, Georges Hélers, mais il a déjà écrit, et puis les autres, la plupart d'entre eux, ont déjà écrit ou déjà témoigné. Et comme ça, il est sûr de la fiabilité du témoignage. Il y a aussi dans la construction une sorte d'impératif historique et sociologique. Donc il veut, il choisit les bandes chronologiques de 1933, l'arrivée de Hitler au pouvoir, jusqu'à l'ouverture des camps, 1945. Et il veut que ça représente tout le peuple, des professeurs, des ménagères, des artisans, des écrivains, des agriculteurs, des commerçants, des docteurs, des fonctionnaires, et de façon à ce qu'on puisse s'identifier, que les jeunes Israéliens peuvent s'identifier. Donc il y aura 110 personnes à la barre, dont l'immense majorité vit en Israël. Quelques-uns, 5 qui viennent des États-Unis, un, je vous dis, Georges Hélers, de France, et puis quelques autres par unité qui viennent d'ailleurs, et puis quelques non-survivants, dont Salo Baron, mais il y a aussi le juge Musmano qui était dans un des procès de Nuremberg. Alors... L'essence du procès Eichmann, c'est la litanie des témoins. Je cite un grand poète, Raïm Gouri, que vous verrez dans le film de Prazan. Procession interminable qui se perd sous nos yeux, qui sombre et réapparaît dans le rougeoiement du feu et du sang. 111 émissaires venus l'un après l'autre à la barre des témoins, pour nous guider à travers le royaume de la désolation. Donc, c'est le nombre qui montre l'étendue du désastre. Et il y a beaucoup de volontaires, témoins, qui ne peuvent pas, qui sont candidats au témoignage et qui ne sont pas choisis. Alors, et j'ai terminé par là. Sur la société israélienne, le procès Eichmann a eu un effet cathartique. Il a permis aux survivants d'acquérir une identité. Les survivants étaient méprisés, ils étaient surnommés savons en Israël. Et ce que décrit Simone Veil, que vous avez cité, qu'ils auraient bien voulu parler mais qu'on ne voulait pas les écouter, il y a une sorte de mépris du survivant en se disant, mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour survivre ? Et Simone Veil raconte une conversation qu'elle a eue avec un historien. On sait aujourd'hui que c'est Amourou. On peut citer les noms maintenant que tout le monde est mort. Hein. Avec l'œil un peu salace, lui demandait ce qu'elle avait fait pour survivre. Donc il y a une suspicion. Et c'est le procès Eichmann qui met fin à cette suspicion. Ça a aussi un effet dont on bénéficie et subit en même temps les conséquences en histoire, c'est que le témoin devient le porteur d'histoire. C'est l'homme mémoire et il est en charge d'attester que le passé fut et que le passé est toujours vivant. Nuremberg, c'était l'éclairage sur les bourreaux et les mécanismes qui avaient permis la guerre. Et Nuremberg voulait mettre fin à la guerre,
et considérer les hauts responsables, fauteurs de guerre, comme des criminels. Avec Eichmann, l'éclairage se porte sur les victimes. À Nuremberg s'exprime la volonté de poser le principe que les hommes politiques peuvent être jugés. Et c'est Nuremberg qui met sur pied le nouveau droit international. Je pense que c'est incontestable, hein, même si on peut toujours trouver des prémices et des précédents. Vingt ans après, c'est un autre événement médiatique qui va ouvrir ce que j'ai appelé l'ère du témoin. C'est la diffusion à la télé américaine d'un feuilleton Holocauste. Alors, on a beaucoup critiqué Holocauste, hein, c'était hollywoodien, c'était ceci, c'était cela. Simone Veil a beaucoup aimé. Il avait été diffusé dans une grande... C'était l'époque, que vous n'avez pas connue, où il n'y avait que deux chaînes de télévision et où tout le monde regardait la même chose au même moment. Et parmi ces émissions que tout le monde regardait au même moment, il y avait une grande émission d'histoire qui s'appelait « Les dossiers de l'écran ». Et « Les dossiers de l'écran » ont projeté, ont diffusé... Voilà, on diffusait Holocauste avec un grand débat où Simone Veil était présente, Marie-Claude Vaillant-Couturier aussi. Elle s'entendait avec beaucoup de modération. Et si vous avez l'occasion de revoir l'émission, ça c'est Lina, hein, c'est pas Netflix, c'est sur Lina, c'est prodigieux. Et c'est avec les dossiers de l'écran que Simone Veil... c'était 79, hein, les dossiers de l'écran. Elle était ministre depuis... 74. Voilà, et c'est là qu'elle est devenue la figure qui incarnait la survivante pour la France. À New Haven, où se trouve l'université Yale, les survivants immigrés ne sont pas reconnus dans l'histoire de... d'Holocauste. Holocauste, c'est l'histoire d'une famille allemande assimilée juive, mais ne l'étant complètement assimilée d'un médecin. C'est pas les juifs immigrés. Et les juifs immigrés ont décidé qu'il fallait recueillir leurs témoignages, qu'ils avaient des histoires beaucoup plus intéressantes que celles qu'on voyait dans Holocauste. Et c'est le début des collectes vidéo. La première, sous le patronage de Yale, les Fortunoff Video Archives, suivie une dizaine d'années après avec celle de Spielberg, de la Fondation Spielberg. Tous ces témoignages, des dizaines de milliers de témoignages, sont très facilement consultables, en partie sur Internet, en partie à l'American University of Paris. Donc c'est très facile. Alors, je vais conclure en disant simplement que quand j'écris l'ère du témoin, je capte le phénomène des années 70, après 68, mais des années 70, qui est l'idée que qui est une idée démocratique, que chacun peut faire le récit. C'est l'époque des récits de vie, Jacques Elias, le cheval d'orgueil, les instits qui racontent leur vie. Enfin, c'est l'époque où on recueille les récits de vie et on publie les récits de vie de simples gens. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la victime devient un personnage. Et il y a un livre excellent de Didier Fassin et de Richard Reichmann est psychiatre et lui est surtout spécialisé dans le génocide, je ne sais pas si le mot est exact, du Cambodge, dans la question de ce qui s'est passé pendant la période des Khmers Rouges, et qui s'appelle l'empire du traumatisme. C'est-à-dire, c'est le moment où on commence en droit, et notamment en droit du travail aux États-Unis, à parler
du trauma, du traumatisme. Et c'est aussi l'époque où on pose comme postulat, parce que personne n'a pu le démontrer, que la parole libère, qu'il faut parler. Et ça, vous l'avez, c'est devenu un je sais pas quoi, un lieu commun, un mantra, hein. Surtout le viol, l'inceste. Mais tout ça, c'est les années 70, et c'est ce qui s'épanouit dans nos sociétés. Je ne suis pas juriste, hein, comme je vous l'ai dit. Je ne travaille pas sur les questions du terrorisme, mais je suis une citoyenne comme tout le monde. Donc j'ai suivi le procès du Bataclan dans le quotidien dans Le Monde, qui est le quotidien que je lis. J'étais frappé. Les victimes, alors je ne parle même pas de ce qui avait été fait déjà au moment du Bataclan. On avait des portraits, page après page, sur les victimes. Quand il y a le témoignage des victimes, c'est à la une, c'est pleine page. Et puis après, quand on passe à l'interrogatoire ou des responsables en dehors du principal, Ben Aslam, là, ça n'intéresse plus personne. Et on a la même chose, je pense, qu'on a eu au procès de Nuremberg, et d'ailleurs à Deichmann aussi, mais différemment, c'est que le public se vide, les journalistes partent. C'est-à-dire que vous avez des moments où vous avez tous les journalistes et puis d'autres moments où il n'y a plus de journalistes. Nuremberg, ça a été ça. Tout le monde a fait, tous les journalistes les plus prestigieux du monde entier ont fait un petit tour, mais en règle générale, ils ne sont pas restés. Donc, il y a une évolution historique, je ne voudrais pas te dire, je n'établis pas un lien de causalité, c'est des évolutions des sociétés, des évolutions des médias qui sont en même temps des évolutions du droit et de l'avènement du témoin au moment d'Eichmann à l'ère du témoin qui commence dans les années 80 et dans laquelle nous sommes en plein, même si les survivants de la Shoah disparaissent les uns après les autres, il y a une évolution qui mérite l'attention. Voilà. Merci beaucoup, c'est une vision très large, très passionnante aussi de cette avancée dans notre histoire de la justice, l'ère du témoin, la notion de victime aussi qui se précise. En vous écoutant, il y a différentes choses qui m'ont frappée parce que dans notre association, l'Association française pour l'histoire de la justice, nous avons cette recherche que nous faisons actuellement sur les magistrats du XXe siècle, et nous avons eu la chance de pouvoir interroger deux juges d'instruction à l'époque. Je peux donner leur nom puisque de toute façon les vidéos maintenant sont sur notre site, et donc c'est Claude Grelier et Jean-Pierre Getty qui récupèrent un jour en arrivant un dossier, et le magistrat leur dit d'abord à Claude Grelier: bon, dans ce dossier il n'y a pas grand chose, mais c'est intéressant, il ne faut pas le laisser passer. C'est-à-dire qu'il faut que l'instruction continue à se faire, même si on ne trouve rien, même si on ne cherche rien, peut-être. Peut-être qu'on était aussi dans cette idée de ne pas trop remuer les choses. Il y a eu cette période un peu du silence après la Seconde Guerre mondiale, assez caractéristique. Et donc, Claude Grelier a continué à réfléchir sur le sujet et... il ne reste pas juste instruction, il part ailleurs, et ce dossier arrive entre les mains de Jean-Pierre Getty. Dossier vide, mais vide de quoi? Je me suis posé la question en vous entendant. Un dossier n'est jamais vide, sinon il n'y a pas de dossier. Et en fait, vide sûrement de ce contexte. Et c'est en ce sens qu'ils se sont trouvés confrontés à cette... Jean-Pierre Getty nous l'a dit, moi, la Seconde Guerre mondiale, on ne me l'avait pas enseigné à l'école. Ce n'était plus dans les programmes. Donc forcément, il découvre un dossier qui est vide de contexte parce que ce n'était pas enseigné. Alors, il y a cette position entre, sur le moment, on sait, on connaît le contexte, mais 30 ans, 40 ans après, on ne le connaît pas, on le connaît mal.
Et c'est là où Jean-Pierre Getty nous a raconté que, même si à l'époque c'était contre-productif, ça devait pas être, il n'aurait jamais dû le faire, eh bien, il a demandé à déjeuner régulièrement avec des historiens. Et donc, quand il avait des éléments, il demandait, c'était René Raymond, c'était Ricoeur. Et donc, on parlait des grands historiens qui ont marqué aussi notre après-guerre. Hein. C'est vrai qu'on a eu on a eu quelque chose d'exceptionnel. Et donc, il a cherché à comprendre le contexte. Et c'est comme ça qu'il a pu reconstituer un dossier et puis faire arrêter Touvier. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose là aussi qui m'a frappée par rapport à ce que vous avez dit, cette notion du... sur le contexte. Le contexte, on le connaît sur le moment, on n'a pas besoin de temps l'expliquer. Et c'est là où il faut donner la parole aux victimes, parce qu'elles sont présentes, elles connaissent et elles peuvent rappeler. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être que dans Eichmann, on avait plus cette notion-là de victime, parce qu'on était sur place. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le caractériser. Je pense quand même que à Eichmann, on n'était pas si loin, malgré le sentiment d'éloignement qu'avait Hausner, et que il n'y avait pas le récit médiatique. C'est-à-dire que ça, c'est aussi très important. De quoi se souvient-on quand jour après jour après jour, on a des films, des émissions, qui font barrière. C'est quand vous pensez, c'est un peu l'expérience que j'ai faite en écrivant ce livre que j'ai écrit avec plus de liberté, même si j'ai toujours eu assez de liberté que mes ouvrages d'histoire. Il y a des événements historiques dont vous avez le sentiment que vous en souvenez, parce que vous avez vu des films. Par exemple, quand j'écris sur ce qu'a été l'Exode, donc je sais ce que ça a été, mais qu'est-ce qui me vient tout de suite? C'est les images de René Clément, du film, avec la guitare, là, où tout le monde... Jeux interdits. C'est les images de Jeux interdits qui me viennent. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre propre imaginaire qui s'imprègne de toutes les... Et c'est pareil pour les survivants. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus si c'est eux qui ont vécu, s'ils l'ont vu dans un film, s'ils l'ont lu dans un livre, ou si c'est un copain qui leur a raconté. Et... il y a un point commun entre les magistrats et les historiens, c'est qu'on sait quand même qu'un témoignage n'est pas nécessairement fiable. Et tout le monde peut en faire l'expérience, même en sortant. Hein, vous mettez à discuter de la couleur de nos vestes ou de nos chemises, faut être sûr qu'un certain nombre d'entre vous les auront vus de telle couleur, telle autre couleur, qui était assis où. Enfin, on le sait. Et il suffit que vous confrontiez avec n'importe qui les souvenirs du dernier réveillon. Et vous verrez que le témoignage n'est jamais fiable dans sa totalité. Mais il se passe qu'avec les victimes... il y a une sorte de sidération qui fait qu'on n'ose pas les questionner et on n'ose pas les mettre en doute. Dans les premiers procès, on bouscule les victimes, beaucoup. Oui, vous dites qu'il avait l'uniforme de la Waffen-SS, mais c'est pas vrai. Comment ça, ça a été les premiers procès, le procès de Francfort en Allemagne en 63. Et puis là, ils ont appris, notamment Barbie Touvier-Papon, qu'il ne fallait jamais interroger
un témoignage. Moi, je vais vous raconter une histoire de Barbie. La dame, dont le nom m'échappe, mais il me reviendra, elle raconte que... Donc, elle a été déportée. Et elle raconte qu'elle est allée dans la chambre à gaz et qu'elle s'est évadée, que toute nue, elle a traversé le tout Birkenau. Il y a un film sur elle. L'association des déportés d'Auschwitz voulait porter plainte contre Antenne 2 à cause de ce témoignage. C'est quelqu'un d'Isieux, hein, qui était très souvent, à Isieux. On l'écoutait, on savait qu'elle racontait n'importe quoi, parce qu'il n'était pas possible de sortir de la chambre à gaz et vous imaginez Birkenau traverser. Bon, elle racontait la mort de son père sous ses yeux, avec le sang sur la neige blanche. Alors d'abord, la neige était quand même pas très souvent blanche là-bas, vu tous les récits, la promiscuité. Mais quand elle racontait, vous voyez, il y a un film de Hollywood, quoi, comment le blanc, enfin le sang. Bon, ça, on le sait. Et les historiens font attention à ces témoignages parce qu'ils ont un savoir qui leur permet de, disons, de les éviter. Mais jamais on ne peut dire à un témoin. Et l'exemple du procès catastrophique, dont on ne parle plus jamais tellement il a été catastrophique, ça a été le procès d'Ivan Demaniouk en Israël. Israël n'a jamais été intéressé par le fait de juger les criminels. Chaque fois, on les a poussés dans les bras d'Israël. Eichmann, c'est une belle figure, le procureur Fritz Bauer, qui, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais enfin, qui est allé insister en disant, nous, en Allemagne, si on bouge le petit doigt, années 50, hein, la diplomatie et le ministère de la Justice est encore infesté d'anciens nazis. Il suffit qu'on... Voilà, et on ne le retrouvera plus jamais. Donc, c'est à vous de faire. Et Israël n'a pas sauté des deux pieds en disant, chouette, on va aller enlever Eichmann, on va lui faire un procès. Ça a duré quelques années. Enfin, bref, ils ont fini par l'attraper. Et Demaniouk, c'est pareil. Ça n'a jamais été très clair. Demaniouk, il était ukrainien, immigré aux États-Unis. Il avait rempli une fausse déclaration. Et il a été accusé d'être Ivan le Terrible, c'est-à-dire celui qui actionnait les chambres à gaz de Treblinka. Et tous les débats ont porté sur le fait qu'on le reconnaissait. Donc vous avez des déportés, ça a été filmé aussi, hein, qui assurent qu'il est bien Ivan le Terrible. Et puis des trucs infinis sur l'expertise de la carte d'identité, des photos. Ça a été un procès absolument désastreux. Et les déportés, bon, il y a Rosenberg qui avait été aussi témoin à Eichmann, mais avec une violence, tout le monde venant reconnaître et raconter ce que Demaniouk leur avait fait. Et finalement, il a été condamné à mort, chose exceptionnelle en Israël, hein. Et puis le procès a été revu, il a été libéré. Mais comme il avait fait une fausse déclaration, il a été extradé en Allemagne, où il a été jugé et condamné en 2010, je crois. Et ça, pour les jurys, c'est très intéressant, parce que la jurisprudence a changé. Il y a une jurisprudence dite Demaniouk, qui a permis ensuite ces procès, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pour aller très vite, c'est pas ma tasse de thé. Quand on juge quelqu'un de 95 ans, puis qu'en plus, on dit il ne veut pas se souvenir. Moi, je fréquente assidûment les EHPAD. Je peux vous dire qu'à 95 ans, même ceux qui veulent, ils ne se souviennent pas vraiment. Hein. Et la jurisprudence, c'est la suivante. Avant, il fallait prouver que la personne avait fait quelque chose. Par exemple, que Demaniouk avait tué de sa main ou en actionnant la chambre à gaz X. Jurisprudence d'Emmanuel, qu'il suffit que la personne soit présente dans un camp au moment où il y a des morts pour qu'il soit considéré comme étant responsable de ces morts. Et c'est ce qui permet de juger le fameux comptable d'Auschwitz et puis la vieille dame qu'on a sortie de son
de son EHPAD qui avait fait, je ne sais plus où est-ce qu'elle travaillait. Donc tous les procès, les derniers procès en Allemagne peuvent se faire grâce à la jurisprudence d'Emmanuel. Mais ça montre quand même la fragilité des, la fragilité du témoignage humain, surtout très longtemps après. Et l'impossibilité qu'on a de dire à un témoin qui raconte n'importe quoi. Ça, vous ne pouvez pas. Et il y a un très bon roman là-dessus qui s'appelle L'imposteur d'un écrivain espagnol, Ravi Cercas, qui raconte l'histoire d'Enrique Marco. Enrique Marco s'est fait passer pour un ancien déporté espagnol. Il est devenu président de l'amicale de Mauthausen. Le gros des Espagnols était à Mauthausen. Et il a été démasqué par un historien. Et Ravi Cercas montre la défaite de la pensée face aux témoins à qui on n'ose rien dire et qui permet des impostures dont certaines sont célèbres. Ces impostures sont quand même relativement marginales, je suppose. Après, il y a deux choses. L'imposture elle-même par quelqu'un qui fait un syndrome qui est de l'ordre plutôt du psychiatrique. Et deuxièmement, la qualité du témoin sur les faits, ce qu'il a vécu, ce qu'on reconstruit, ce qu'on voit, les dates, etc. Donc il y a vraiment des choses, je pense, très très différentes. Deux remarques simplement là-dessus. Il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est très très intéressante, justement sur le temps, à propos des... Je ne me souviens plus du nom du nazi qui avait dirigé le massacre des résistants italiens sur les fosses adriatines. Pripke, l'arrêt Pripke, voilà, qui est très intéressant justement sur la durée des procédures, combien de temps on peut juger. Après, il y a des arrêts de principe en la matière. Et le deuxième, justement, il y a une question juridique toujours intéressante de confronter entre les historiens et les juges. Quand Claude Grelier ou Jean-Pierre Getty ont été saisis, il n'y avait effectivement presque rien dans leur dossier parce que pour partie, ils avaient le sentiment aussi que les choses avaient été jugées juste après la guerre pour certains d'entre eux. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qui avait été jugé et dans quelles conditions ? Donc, on voit bien qu'on est à la fois à un autre moment, et c'est ça que j'ai voulu préciser, sur des qualifications précises. Donc, et en plus, il y a le problème de la rétroactivité qui s'applique. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement compliqué en la matière. Certains, et toute une génération, pensaient que la justice était passée à un moment donné. Après, d'autres peuvent penser qu'elle ne l'est pas, et je le pense, notamment René Bousquet et toute l'explication. C'est vraiment cette durée, et c'est pour ça la différence, vraiment, j'ai insisté sur cette différence entre le procès de Nuremberg ou le procès Eichmann, où il y a une volonté politique d'organiser un procès pour des finalités précises, et qui est là, alors que les autres, c'est le travail des parties civiles et des victimes. Et dans les procès français du deuxième temps, je dirais, les procès Barbie, Touvier, Papon, c'est vraiment les familles et leurs victimes qui sont là. Donc il y a une différence considérable en la matière. J'avais une question précise à poser sur Georges Vellers, qui est effectivement le seul témoin français qu'on entend à Jérusalem. Pourquoi il y a eu un seul témoin français ? Il avait déjà été entendu dans des procès en France. Je ne crois pas. Parce que sur la rave du Veldiv, en fin de compte, c'est le seul témoignage entend. C'est assez extraordinaire. Pourquoi sur la Parce France, il y en a eu dans tous les pays d'Europe, bien entendu. Ça concernait Eichmann, tout le monde. Mais alors, je pense que c'est lié à la modalité de lien entre les... Georges Vellers. Après la guerre, donc c'était un chercheur à l'Institut Pasteur, de profession. Mais immédiatement après la guerre, il a fait partie de la petite équipe du centre bénévole, il continue à avoir un métier, du centre de documentation juive contemporaine qui avait été créé en 1943 dans la clandestinité par Schneerson et qui a édité la première revue qui s'appelait Le Monde Juif, la première revue sur l'histoire de la Shoah, qui a fait les premiers articles. Donc je pense que ça a été lié au lien très étroit qui existait entre Yad Vashem
et le Centre de documentation juive. Je pense que c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est qu'il avait une vue un peu globale, puisqu'il a reçu les enfants. C'est-à-dire, c'était pas, lui n'était pas témoin en tant que raflé du Veldiv, mais il était témoin en tant que témoin de la déportation des enfants, dans laquelle Eichmann avait une responsabilité directe. Parce que le procès Eichmann a été critiqué, notamment par Hannah Arendt, pour avoir fait toute l'histoire de ce qu'on n'appelait pas à l'époque la Shoah, y compris les épisodes dans lesquels Eichmann n'avait rien à voir, hein, notamment les Einsatzgruppen, les fusillades de masse, ce n'était pas du ressort d'Eichmann. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi, mais en gros, les survivants, ça a été ceux qui ont choisi d'aller s'installer en Israël. Les étrangers à Israël ont été une poignée par rapport à la grande masse des témoins qui étaient israéliens et qui parlaient en hébreu, parfois en yiddish, mais en hébreu. Question, c'est sur la parole des survivants pour témoigner, ceux qui ont écrit tout de suite, donc Primo Levi, bien entendu, et dans Les naufragés et les rescapés, vous en parlez aussi, il a beaucoup réfléchi, dit-il, nous les survivants ne sommes pas les vrais témoins. C'est là une notion qui dérange, dont j'ai pris conscience peu à peu, en lisant les souvenirs des autres et en relisant les miens à quelques années de distance. Nous sommes une minorité, non seulement exiguë, mais anormale. Nous sommes ceux qui, grâce à la prévarication, l'habileté ou la chance, n'ont pas touché le fond par rapport aux autres, etc. Mais ça devait être extrêmement difficile pour eux, ce sentiment de culpabilité du survivant par rapport aux autres, donc, et ceux qui ont échappé aux rafles. Comment expliquer dans la parole de certains et d'autres pourquoi ils se sont exprimés, certains ont écrit, et pourquoi à un moment la parole s'est déclenchée dans l'air du mal. Pourquoi la parole s'est libérée à un moment donné, et pourquoi, à quelle époque? Simone Veil disait que c'est vérifiable, que dès qu'elle a eu des fonctions, dès qu'elle est devenue ministre, c'est très intéressant, quand elle devient ministre de Giscard, elle n'est pas une inconnue, hein, parce qu'elle a déjà une belle... Elle est secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, donc elle a déjà une belle carrière de magistrate, mais elle est inconnue du grand public. Et quand Giscard présente son gouvernement, il dit « J'ai nommé Madame Simone Veil une rescapée de Ravensbrück. » Ravensbrück, c'est le camp des résistantes. Hein. C'est le camp de Germaine Tillon, de Geneviève de Gaulle... c'est pas le camp de Simone Veil. Donc en 1974, il ne fait pas la différence entre Auschwitz et Ravensbrück. Mais immédiatement, dès qu'elle devient une figure, elle le devient très vite, parce que elle défend très vite devant le Parlement la loi qui porte indûment son nom, hein, parce que ce n'est pas une loi dont elle a eu l'initiative, la loi Veil, elle le disait elle-même, la loi Neuwirth, oui, parce que c'est Neuwirth, mais la loi Veil, c'est la loi, comment dire, le projet de loi a été déposé par le gouvernement. Donc elle devient très vite célèbre. Et là, il y a un premier grand documentaire sur TF1. TF1, ce n'est pas TF1 de maintenant, hein. C'est, chaîne publique, et je répète, il n'y en a que deux. Et il n'y a même pas de magnétoscope pour pouvoir, ou pratiquement pas. Hein. Et elle raconte. Donc il y a deux choses. Il y a raconter parce qu'on est entendu. Et puis ensuite, il y a une sorte d'air du temps qui fait qu'on raconte. Et il se passe la même chose avec le viol. C'est-à-dire que brusquement, tout le monde se met à raconter. Il y a des airs du temps. Et pour les témoignages, ça a été ça. Il y a une femme
qui s'appelait Annie Stern. Annie Stern, elle a été déportée, même qu'on voit que Simone Veil, là, elle est devenue psychanalyste lacanienne. Elle a écrit un article qui s'appelle « Du camp à Lacan ». Mais elle a écrit, enfin bon, moi ça m'amuse un peu, mais elle a écrit un livre qui s'appelle « Savoir déporter », avec un trait d'union. Et il y a un texte qui dit « Sois déporté et témoigne », où elle s'élève contre l'injonction à témoigner, l'impératif qu'on met sur le dos des survivants à témoigner. Il ne faut pas non plus se masquer que dans le dernier mouvement, ça a été une forme de réparation symbolique et qu'ils ont adoré tous passer à la télé les rivalités intra-déportées parce qu'il y en a qui passent plus à la télé, que les journalistes s'intéressent plus. Il y a aussi un... Oui, ils sont devenus des vedettes à un moment donné. Et ça ne leur a pas déplu. Et c'est très bien comme ça, hein, je ne suis pas en train de le critiquer. Mais il y a un air du temps, quand vous avez... quand on vous parle en permanence de quelque chose, vous vous posez la question et vous participez du mouvement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que moi, j'ai fait ma thèse qui s'appelait « Déportation et génocide », où j'ai analysé les premiers témoignages, beaucoup de témoignages. Et en gros, ils ne trouvaient pas d'éditeur. Donc, les témoignages restaient dans des tiroirs. Là, vous avez les éditeurs qui courent après les déportés, qui leur fournissent un ghostwriter, il paraît qu'il ne faut plus dire nègre, donc un ghostwriter, qui va recueillir et qui font ces petits livres de témoignages assez minces et qui font des best-sellers au détriment de la lecture des grands témoignages comme Primo Levi, Charlotte Delbault, Imke Ertegh, David Rousset. Je mélange les camps de concentration et les centres de mise à mort, qui sont des témoignages beaucoup plus... intéressants que ceux de gens très âgés dont la mémoire ne retient plus grand-chose, quoi. Mais vous regardez, hein, vous regardez le nombre de témoignages qui sont parus. Ah, on me fait signe que c'est l'heure. D'où le conseil de toujours renvoyer aux travaux des historiens qui analysent et qui utilisent ces témoignages pour analyser, avoir une pensée critique, une remise en perspective et une pensée critique. Voilà, je pense qu'il faut terminer. Sylvie, tu annonces la prochaine conférence. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a compris l'ère du témoin est lié à ces procès avec des violences de masse. Et on vous invite pour la prochaine fois, parce qu'on va traiter aussi de l'ère de l'image. Et cette parole se libère en même temps que l'image se développe. Et c'est le thème du 17 octobre. Depuis Nuremberg, les procès filmés et la justice dans l'espace public. Nous aurons l'occasion de rencontrer Pascal Plat, qui est historien, directeur de la chaire d'excellence de gestion des conflits et de l'après-conflit, qui dirige l'Institut international de la recherche sur la conflictualité à Limoges, et Sylvie Lindeberg, professeure d'histoire à l'Université Paris-Sorbonne, qui a obtenu le prix Malesherbes avec son ouvrage « Nuremberg, la bataille des images ». Et on vous remercie encore, Madame Annette Vidurka et Monsieur Jean-Paul Jean, pour cette belle présentation aujourd'hui. Merci beaucoup.